Steven veut parler. Je connais pas. Il va donner la CLF sa main. Welcome back, welcome back, welcome back. Ta caméra est là. Welcome back. Ta caméra est devant toi. Elle est devant toi, la tienne. Ouais, je sais. Ok, tu chantais là-bas, je vois. Non, mais. Stevie Wonder, mon gars. Avec les lunettes. Stevie Wonder avec les lunettes, mon gars. C'est un réflexe. Bon, yo, je me rappelle même quand je suis allé voir un des matchs de boxe de Jean-Pascal, je regardais le big screen en haut, je regardais même pas. Nice. Toi t'es comme moi, I'm a TV guy. On nous dit la vérité, t'étais un lait. Les billets à 12,99. Oh, mais je t'avais pas là, gars. Je t'avais pas là parce que quand tu regardes d'en bas, il y a les cordes. Les cordes ont très oui, 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 oui. Je regardais là. Mais guys, real talk. Non. Mais real talk, il y a beaucoup de sports que c'est mieux de regarder à la télé que de regarder en live. Mais n'importe quel sport. Comme... Mais ça dépend. Basketball, je suis pas capable. Basketball, je suis pas capable. Pourquoi? On TV non, or in live? Parce que les commentateurs, c'est comme t'es habitué au son des gens qui parlent. Yo, là, puis juste attendre un ballon dribblé. Puis comme... C'est le vibe. Tu vas pour le vibe. L'ambiance, yeah. Yo, j'ai pas... La boxe est différente. Le stadium fait... Exactement. J'ai pas des games, puis oui. C'est intense. Mais parce que les parents sont fous. Ouais. Non, je comprends. Ouais. Mais je sais pas, j'ai l'impression que comme il y a certains sports, que comme c'est mieux de voir en... Non, ça c'est vrai. Mais attends. Pour moi, la boxe, je préfère regarder à la télé. 100%. Mais pour le 100%. Tu devrais l'expérimenter comme faire les deux. Ouais. C'est sûr. Je l'ai fait. Quoi, t'as pas fait ta boxe? Ok, peut-être. Oh non, j'ai jamais fait boxe. Okay. Mais j'ai fait basket, j'ai fait football, j'ai fait baseball, puis j'ai fait hockey. Moi, je fais ça à la télé. Puis yo, okay, guys. Mais tu sais que c'est. Basket, j'étais courtside. J'étais courtside Lakers. Courtside Lakers. Ouais. J'étais comme, non, never again. Never again. Ok, toi, t'es un fou. Never again. Moi, je parle de cax. Moi, je parle caca avec les fans. Moi, je parle cax là. LeBron James playoff. Yo, thank God. Mais, real talk, laisse-moi faire l'intro. guys, merci encore de nous suivre. Merci encore de comment, de like. Comme on a dit la semaine dernière, on a atteint le 1000 subscribers, enfin. Quoi de mieux pour célébrer ça? Les gars de LCDA sont avec nous dans la place. C'était un drôle d'adon. Non, mais sincèrement, j'ai eu un déclic quand c'est arrivé parce que c'est comme, tu sais, quand tes chiffres commencent à monter graduellement au niveau de tes views, puis c'est comme, tu sais, comme je parlais de ça aussi avec Tammy, je parlais de ça avec Martin, puis Gibby aussi, puis j'ai dit, tu sais, comme notre podcast, t'as l'impression que c'est comme un comment on dit ça, c'est acquired taste. Tu comprends, tu sais? Parce que c'est comme un peu comme... You never know what you're gonna get un peu, tu comprends? Puis on parle de plein de sujets, tu sais. Puis tu vois que tranquillement, les gens commencent à catch on, whatever. Ouais. Mais tout ça pour dire que, j'en profite pour le dire officiellement, parce que c'est à la grande demande, on lance officiellement le Patreon du podcast. Yes. Patreon du podcast. Let's Donc, go. On va... on va annoncer ça. On va annoncer c'est quoi toutes les perks puis tout ça. Puis on va vraiment aller dans une autre direction avec tout ça. Mais je pense que c'est le temps d'engage avec les fans comme vous faisiez. Puis, guys, vous êtes une grande inspiration à tout ce qu'on fait aussi. C'est ça. C'est une fraternité. Est-ce que le podcast actuel va avoir dans le Patreon des femmes qui viennent secouer leur boudin? Mais on a Tammy. Oh! Mais on a dit Hey yo! You wildin', bro! Mais pour de vrai, notre Patreon, il va être différent. Notre Patreon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va, on va simplement donner plus aux fans. Mais on va pas nécessairement... On va pas faire exprès de bloquer, on va dire, quelque chose qui est comme plus juicy, spicy ou exclusif. La prochaine fois, avertis-nous. Nous, on va venir avec deux tendances. Pétion, un Bouddha. Un Bouddha. Comme je t'ai vu,
Comment je t'ai vu quand t'étais aux States? C'est quand t'étais aux States? C'est quand t'étais aux States? C'était en décembre, t'étais aux States? Début février. Yo, j'ai vu Hollywood aux States, j'ai dit. Yo. Coïncidence. Hollywood roule avec qui, là? Hollywood est où, là? Spoiler pour tout le monde. LCDA va peut-être plonger à Houston en Afrique. Et voilà. Nice. Et voilà. Et voilà. Let's go. Non, mais. H-Town. Mon gars. Non, mais. J'avais pas le choix de dérailler. Ça faisait un bout. J'étais pas là. La communauté. Depuis la pandémie. Yeah. So yo. Ta belle vibe. Belle vibe. Miami. Belle vibe, hein. Belle vibe. Yo, il y a quelque chose là de c'est nice. C'est mon second home. Mais il y a quelque chose de nice être en Floride puis juste conduire sur le 95. OK, mais ça, c'est une chose. Genre, pis, pour de vrai. Tu peux pas t'emmerder quand t'es à Miami. Quelqu'un qui dit qu'à Miami, qui s'emmerde, parce que ça va pas faire. Tu veux t'emmerder? Ils ont pas de machine. Oui, ils ont pas de machine. Ou t'as pas de cop. Ils ont pas de machine. Tu vois, t'as pas de machine. Je suis allé là-bas 5 jours sans dormir, là. Ah, c'est tout le temps comme ça. Moi, quand je reviens de Miami, là, mais c'est un break. Pas en forme! C'est un break. Pas en forme! Yeah. Faut que t'aies un minimum de break. Pas en forme! Non. C'est ça, mais je pense qu'il y en a pas beaucoup qui te fait. En général. Ouais, un minimum de Mais Miami, it's different. Ouais. I don't know. Miami, it's different. Non, puis Miami, tu sais, qu'est-ce qui m'énerve avec Miami maintenant? C'est que back then, quand on était plus jeune, t'allais à Miami, tu restais à Miami. Right? T'étais comme à Miami. Non, maintenant, là, tu dois aller dans un speakeasy à South Beach. Tu dois aller dans un club à Fort Lauderdale. Tu dois aller dans un autre club à Hollywood. Yeah. Tu dois aller chez quelqu'un à Miramar. Comme, puis là, maintenant, je suis rendu à des affaires à West Palm, là. À West Palm. Ah, c'est une route, là. Ah, c'est une route, mon gars. Si je suis à Fort Lauderdale, je vais calculer West Palm. Ça se peut, le monde prend ma bille. Yo, t'es quand même à 45 minutes, là, de West Palm, là. De Fort Lauderdale. La dernière fois, on a pris un spot à Fort Lauderdale parce qu'on savait qu'on allait aller tout partout, là, autour. Mais yo, West Palm, j'allais dire. Mais en tout cas, mais il y a vraiment. La dernière fois que j'avais été, il y avait un spot. Tu connais le Red Rooster? Non. OK, c'est dans le Overtown de Miami. C'est comme Miami Downtown, mais c'est comme un peu on the east. Puis j'ai découvert ça après qu'on est allé, puis ça m'a vraiment énervé. On s'entend, c'est pas notre calcul. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est un restaurant. En fait, c'est Marcus Samuelson. Marcus Samuelson qui a le restaurant Marcus à Montréal, là. Okay. Donc, Marcus Samuelson, qui est un chef éthiopien, je pense qu'il est éthiopien, whatever, anyways, il est reconnu et tout. Il a ouvert le Red Rooster. À Overtown, il y a de la bouffe comme Southern Comfort Food, là. Okay. Food, excuse-moi. Mais en haut, il y a un deuxième étage, yo, dance hall, afrobeat, reggae, pendant que les gens mangent en bas, là. Puis c'est un gros restaurant, là. C'est un gros restaurant. Anyways, si vous allez à Miami, allez checker ce spot-là. Il est nice. Okay. Le dimanche, il est nice, mon gars. Nice. Anyways, bref, mais tout ça pour dire que je t'ai vu de chez Hollywood. Non, j'avais pas le choix. Mais bref. Houston avec les gars, ça va être encore plus la bonne. Houston, c'est un autre vibe. Non, mais parce que ça, c'est black, là. Ah, ben oui, ben oui. Miami, oui. Là, tu vois, Miami, il y a tout. Y a ouais, Spanish, Québec, Latina, yeah. Latina. C'est plus mais Latina. Là, Houston, c'est country vibe. Yes. Yeah, black. Country booty. Mais les gens sont nice au Texas. Les gens sont country gentils, mais les gens booty, sont gentils. Je suis tanné. Vous allez chill ou vous êtes tout tourner un épisode là-bas? That's a damn lie. Vous allez chill ou tourner un épisode là-bas? That's a damn lie. On sait jamais encore. Gardez, c'est un gros menteur là. Gardez, c'est quel game de Rockets que tu as regardé? C'est laquelle? C'est ça. Juste une game. N'importe quelle game. Juste pour l'expérience. Ouais. He's not going there for the ass, he's going there for the Rockets game. Bon. Of course. Guys, let's jump right at... T'as fini de faire le lapin? Est-ce que c'est ça que tu utilisais avec ton ex-femme? Wow! Oh! Est-ce que c'est ça que tu utilisais avec moi? Cash! Je donnais le cap ou vidouette! Oh, t'es vengeur, gardez! Non! Ça doit être un snippet. Et puis moi, je mettais deux dans ton trou de lac! Ouvre! You wanna go? Yo, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe quasiment de là. Attends, t'as donné le cadeau, c'est la face à Hollywood. Dans quel podcast je suis venu là? Je suis pas dans le podcast en TL là. Je suis dans ma tête.
On doit aller mettre du porn. On peut pas avoir ton historique de porn, là. Yo, bro. Yo, j'ai pipi sur moi. J'ai pipi sur moi. Oh, les algorithmes sur Instagram. Comment ça, ils veulent que... It was porn? Branche-toi. Non, it wasn't porn. Bah, ok. Moi, j'ai eu un paquet de femmes. Yo, il y a mis son historique de porn. Il y a mis son historique de porn. Son historique de porn. Yo, moi, je dis, si tu veux, c'est brave. Tu connais pas le clear history? Non. Yo, clear cash! Il regardait ça seulement avant qu'il se soit marié. Tous les fois qu'il prend des stiffers, non pas ce soir. Non, mais garantie. Ah, j'ai un mal de tête là. Garantie. Non, mais c'est pas lui parce qu'on parlait de ça tantôt. Oh, mais okay. Et lui, il regarde pas de porn et il se masturbe. Cap! Est-ce que vous autres, vous vous masturbez? Non, lui est bizarre comme ça. Lui, c'est le panneau. C'est important de se masturber. Tu vas dans un strip club avec lui, puis lui, il va prêcher l'évangile. Il va questionner les femmes comme pourquoi tu fais ça, bye. Oh, c'est vraiment un vibe killer. Party pooper. Il va être danseuse, il va essayer de faire. Arrêtez de faire ça, les filles. C'est pas ça. C'est que pour de vrai, il y a des choses que je comprends pas. Je suis d'accord avec toi. Non, je t'ai pas là. Qui tu as la gueule? Tu vas dormir sous le fauteuil? Ça, c'est la place. Non, on a frappé l'Amazon. C'est encore ouvert. Je regardais les gars comme des vrais cochons. Ah, capté, c'est où? Mais en tout cas. Non, je sais, j'ai entendu parler comme whatever, mais I never went. Il y a un gars à côté. Cache! Non, mais pour de vrai, je connais. Non, mais moi, personnellement, j'aime pas ça. Attends, you don't like that. Non. Quand on était plus jeune, he was like this. Oh non, moi j'aime pas ça. Non, pour le vrai, les dandans, t'aimes pas ça? J'aime pas ça. Zéro. Pour le vrai, les dandans. Non, les dandans ici sont à zéro. Ici sont à zéro. Yo! À Houston, c'est autre chose. Pour venir se mettre sur Houston, qui est sorti devant toi. Yo! Attends, t'as dit 20 dollars? C'est pas 10 dollars? La danse? L'inflation, là-bas. L'inflation. Ah yo, c'est longtemps que j'ai pas été. L'inflation, là, vous parlez où? Parce que moi, il n'y a pas de bite 10 good, 20 good là-bas, là. Ok, mais on va dire ici. J'ai 5 dollars lancé. Et puis, fini. Non, mais attends, ici. Il y a 5 dollars. Yo, les good de vrai, je trouve ça. Et puis, yo, tu vois quoi? Les femmes, à la fin de la journée, ils ont fini bien souhaités. En train de sucre le bunda toute la soirée, là tu leur donnes le 20 gouttes pour le sucre le bunda bien senti dans ton bec. Solo. Mais y'a tu as eu des mauvaises expériences, toi. Y'en a qui me scoop pas pour y. Oui, mais yo, si t'as pas. Si t'as je m'attendais pas. Yo, le game, ce game là, là. Yo, kudos to you guys, man. Le game de scoop up ces femmes là, là. Yo, kudos to you guys. Comment you guys parle avec lui, mais Non. You guys, général. You're talking about back then or today? We're talking about back then. Pre-COVID. Je sais pas moi si on est où qu'est-ce qu'on a. Back then to day, même bye. Pour tout le monde qui a pris des danses là, vous avez jamais pris de boule à chasse? Jamais. Moi j'ai jamais pris de santé. Non, j'ai pas pris encore. J'étais champion. Mais peut-être c'est parce que... Gardez, ça allait où ça? Tu sais pas les choses, tu sais pas les choses. T'as l'eau clou. Non mais attends, attends. Comme t'allais dans un bain souterrain. Non mais c'est ça là. Non mais attends, senti ou sueur? Comme like, did it smell like shit or was it just un senti sueur genre? Non, moi j'ai une définition de senti. Non, moi jamais. Oui, il y a une définition parce que si elle a dansé toute la soirée, sueur. Mais yo, senti caca ou sueur, c'est senti oui. C'est juste senti, tu sens pas bon. Je comprends. Tu veux dire quelque chose? Je vais pas trop réblaguer. Toutes les fois que j'ai été dans un, affaire de dandan, c'était toujours j'étais avec d'autres personnes qui m'ont forcé à aller ou j'étais dans un groupe. Forcé à aller! Tu veux dire quelque chose qui m'est arrivé? Forcé à aller! K.O.D. Ok? On t'a forcé à aller! On m'a forcé à aller au K.O.D. Forcé! Dans King of Diamond, on l'a forcé! C'est mon cousin qui m'a forcé! Il était comme le. C'est mon cousin qui m'a forcé! Il a donné le side-eye là! Yo! Il a fait comme l'assistant de Mr. Burn! Le patron de Simpson, le pourtour de ce que son bouddha, il se casse! Non!
Non! Il était d'amour de gars. Gardi, tu sais, c'est quoi le plus pire? J'ai fait exactement ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. T'es quoi? J'ai pas été un vrai bœuf. Laisse-moi t'expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Je suis OK, Audi. J'arrive, là, je suis suspect. Je regarde tout le monde, je suis suspect. J'aime pas ça. OK? Ça sent pas bon, j'aime pas l'idée. J'aime pas ça. Je me sens pas à l'aise. OK? Là, mais j'avais faim. Fait que là, je pense qu'il y a un food. Ça frappait les impôts? Je me rappelle, j'étais au guichet, mais c'était pas pour donner de l'argent aux femmes, je me rappelle. Ou peut-être pour acheter de l'alcool. Je me rappelle plus c'était quoi. Anyways, mon cousin avait un bouffe. On est dans le bouffe. Il y a des femmes qui arrivent, il y a une femme qui commence à se tourner parce que moi je suis là, elle commence à danser sur moi. Yo, la femme, elle avait un genre de tongue, whatever et tout. Elle avait une verrue sur sa fesse. Oh! Ok, comme ça même? Une verrue, ouais. Ok, absolument, là-bas. Une bonne verrue, là. Comme les graines de beauté, là? Non, une verrue, like, comme, maybe she has herpes or something? Comme, tu sais, là, comme, bon, tu sais, quand les gens, ils ont la cicatrice derrière, là, tu sais, quoi? Mais non, si c'est ça, c'est dégueu, là! La femme avait ça sur sa fesse, là. J'ai failli vomir. Et puis c'est toi qui es tombé sur cette femme-là. Oh, yo, mon gars. Non, mais je calcule, là, c'est ça l'affaire. Je calcule, t'as eu des traumas dans le back then. Mais depuis avant ça, j'aimais pas ça depuis avant ça, là. Non, mais t'as eu des traumas, toi. Avant ça, je suis dans la semaine. Peut-être que c'est pas, non. Des perdants sont à zéro, là. Non, mais, okay, non, mais attends, il y a une petite. Le Steven, ça a l'air qu'il est tombé en amour avec une dada dans le back then. Elle a cassé son cœur. Elle a freiné. Elle a brisé son cœur. Jamais. Jamais. J'ai pas le tempérament pour ça. Yo, bro, est-ce que je peux raconter une petite anecdote? Vas-y. Yo, il fut un temps où j'ai failli. Je voulais. J'étais un wannabe pimp. Ok. Comme... Il fut un temps. Ouais, on parle de... Ouais. Pas aujourd'hui, là. Non, on va te mettre les zombies. Il a dit il fut un temps. Non, mais la femme savait que je suis un petit poussi. OK. Comme elle savait que je suis un petit poussi parce qu'elle faisait le chiffre, puis yo... Tu sais, ça a été graduel, là. Genre, au début, comme... J'étais un faux pimp, là. J'ai juste donné deux, trois paroles. Elle a dit, OK, j'ai commencé à passer pour toi, il n'y a pas de problème. Puis yo, elle rentrait dans la machine, elle me donnait comme au début... Et puis graduellement, le coq diminuait. À la fin de la vie, il y avait un autre pip, mon gars. J'avais un bec. Regarde, il y a un autre pip. Ça, je suis un petit poussi, ça, j'allais rien faire. Tu vois, je suis comme get. Puis à un moment donné, j'étais avec un vrai pip. Mm-hmm. Puis, on a été chercher sa femme. Puis, je ne savais pas que yo, les pimps donnaient des quotas à leur femme. Mm-hmm. So, okay. Là. On parle de. Ça fait longtemps, ça. Hein? Le cob était low. Le cob était low. Ah oui. Ouais, le cob était low. Ah oui. Yo, il l'a roulé là. Il faut sauter tout de suite dans les sujets. Ok, let's go. Vous avez une belle photo derrière vous, anyway. Regardez la vidéo derrière. Oh, ah, carrément. Je savais qu'on allait parler de ça. Yo, il t'a dit d'arrêter de faire ça, oui? Il a envoyé le message, laissez-le tranquille. Yo, ça m'a tellement d'être, ça. Gros boulot. Je comprends ce qui s'est passé. Oh. Ce gars-là existe encore, donnez les mêmes. Non, c'est ça, là. Eux autres sont tellement sec, là, eux autres qui parlent, là. Ça leur a rien fait, eux autres. En passant... C'est solide. Le Guillaume, il a trouvé l'arbre dans toute cette forêt. L'arbre, c'est ça, ouais. Dans toute cette forêt. Non, au point, je me demande si c'est pas lui qui l'a foutu. Yo, cache lui, là. Mais tu sais, qu'est-ce qui arrive dans cette histoire-là? Moi, personnellement, mon point de vue, c'est OK, t'as fait ça, that's some fucked up shit. Le pire pour moi, c'est ses excuses. Ouais. J'aurais respecté s'il était venu et il aurait dit. Mauvaise blague. C'est quand même wrong, mais tu sais quoi, mauvaise blague. I fuck up. Mais d'arriver puis de dire, je jure sa tête de mes enfants, de mes parents, de ma femme, que j'avais pas vu. Mais son voix était dessus même. Mais tu sais quoi? C'est ça que l'affaire que j'ai dit, c'est que. Moi, les gens comprennent pas. Premièrement, guys, votre médecin, votre mécanicien, votre propriétaire d'épicerie, le directeur de l'école de vos enfants, la gardienne, whatever, ont peut-être vu ça puis trouvé ça drôle en passant. Ben oui, mais je m'en fous. Okay. Il y avait eu plein de likes sur la tête avant que ça soit délité. T'as pas vu le monde sur l'internet? Oh, pourquoi le monde est fâché pour ça? Bah, moi, tu vois, c'est pas ça qui m'importe. Moi, c'est les gars comme Martin que je veux voir se prononcer.
Ah oui, contre ça. Ah, mais 100%. Exactement. Oh non, 100%, ben oui, ben oui. Il va avoir tout le monde médiatique. Ah, mais là, il ne faut pas exagérer, whatever. Mais c'est les gars comme Martin. Ouais. Wow. Ouais. Mais c'est ça, Martin. Ils ne vont pas. Ils vont pas. Ouais. Non, 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 je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Énormément. Mais c'est cette face-là que j'ai besoin. Mais si je dénonce ce genre de choses. Ah, ouais, 100%. Vous avez toujours besoin de ce genre de support-là comme... Parce que nous, non, on est comme. Support. Parce qu'on est quand même rendu à un point où on peut leur faire fuir les conséquences réellement si on veut vraiment les faire. Puis on fait. Moi, je suis rendu à un point où, you know what, si ça continue, c'est parce que nous, on ne fait pas ce qu'on a besoin de faire. Exactement. Faire en sorte que on ne nous respecte pas. Je suis dans ça, la c'est même de notre faute. Et puis, fuck that. Parce que, he's my brother, I fuck with him. Mais je n'ai pas besoin. Avant, il fait un temps que. T'avais besoin de savoir que on n'était pas juste notre communauté qui filait. Mais là, mais rendu là, c'est comme yo. Continue à faire des affaires là. Je veux. J'ai pas besoin. C'est comme un. J'en ai vu quand même certains qui ont partagé ou qui ont oui, dans les commentaires. Mais la plupart des commentaires que j'ai vus justement des blancs quoi que ce soit, c'était toujours comme mais là c'est pas si grave que ça. Yeah, c'est ça. Mais c'est pourtant. Comme, c'est comme tu disais. Ouais, mais pourtant. Quand les Ontariens sont là puis ils parlent mal des Québécois puis ils têtent de oh frog, oui, c'est la même chose. C'est ça. Non, you can't say that. Martin, dis-moi, ouais. Puis je te pose vraiment parce que je ouais, non, vas-y. Pourquoi certains blancs ont besoin cette approbation-là de pouvoir dire le N-word? I don't know. You know oh non, mais c'est la même chose. Regarde, c'est une chose, OK? Yo, I grew up with Asian people. Tout ça. C'est un mot que j'ai jamais dit. Même dans une musique, OK, la musique va chanter... I won't say the word. C'est pour moi, ça ne se fait pas. Mm. Puis pourtant, je suis sûr que mes panneaux qui sont proches avec moi, je suis sûr peut-être qu'ils se diraient, ah ben c'est Martin, c'est correct. No. Never. Tu peux pas dire, il y a personne qui peut sortir Martin en disant ce mot-là, quoi que ce soit. Wow. Si jamais je sors un mot comme ça, c'est par le créole ou quoi que ce soit, tu vas le dire, mais c'est. On s'entend que. Oui, les gens parlent de personne. C'est un dialecte, c'est un clair dialecte. Ouais. J'essaie de débuter, oublie ça, là. Mais ça n'a pas sa place. Ça n'a juste pas sa place. Non, je pense que. Parce que je trouve ça. J'ai toujours trouvé ça spécial de voir que. Ils se battent pour dire ça. Ah oui, ils veulent le dire, là. Oui, mais attends. Ah oui, et puis. Ils trouvent ça unfair de ne pas être capable de le dire. Puis le rescue, ils vont sortir le livre de la Ferrière, là. Ils vont dire, ben, ce livre-là. Puis tout juste pour pouvoir dire le mot, là. Tu comprends? Mais ouais, non, pour moi, ça ne juste pas ça. Mais tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai dit, c'est que, tu sais, Guillaume le Métis Vierge, les gens ne comprennent pas combien d'argent qu'il a. Les gens ne comprennent pas à quel point qu'il a fait de l'argent avec Hyundai, quand il faisait ses pubs de Hyundai, que tout le monde a fait. Que dans le fond, lui, il est rendu dans un fuck you money state of mind, où ce qu'il a été capable de dénoncer le vaccin, ben oui, ouvertement. Il était dans la brume, là. Ouais, ouais. Okay, mais attends, il avait pas dénoncé le vaccin. Il avait dit qu'il attendait le vaccin québécois. Oui, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il a dénoncé. Oui. De quoi? Ça, c'est l'un des seuls partenaires que j'écoutais, là. Qui ça? Guillaume? Oui? C'est mon nez, oui! Dans quoi? Qu'est-ce qu'il jouait? Qu'est-ce qu'il faisait? Parce que moi, j'écoute pas la télé. Ouais? Moi non plus. Dans les bails québécois, c'est un des seuls partenaires que je regardais. Ok, mais c'était quoi qu'il faisait dans le temps back then? C'était quoi? Ben non, il a sorti, mais comme son film, il a fait le petit cochon. Ok, je comprends. Les films, les affaires qu'il faisait, là, ok, je comprends. Ok. Là, maintenant qu'il a fait ça, mais ça fait un bout, là, il est dans la brume, là, lui. Ouais, c'est ça. Ça fait un petit bout. J'ai vu son bail avec Vernie Cloutier. Ouais, il a donné un Kanye West, là. Yeah, sans problème. Sans problème. Et il a manqué le mic de son mic, là. Normal. Normal. Non, ça, c'est à la fête. La 10. Le gala. Il voulait dénoncer ce 2-3 affaires. Yeah. Puis, je ne sais pas c'était quel gala, bro. Mais en tout cas, Vernie Cloutier a mis les mains. Yeah. Il a pull up sous stage. C'est dans la main. Il a mis les mains à Véronique. Mais on lui a dit, non, possible. Mais il a fait un gala. Mais non, Véronique allait lui donner. Oui, comme une petite. Elle a donné mon partenaire. Là, elle s'est retournée, elle dit, dois-tu lui donner le mic? Ouais, mais ça sent que... Ouais, mais... Tellement elle était saisie à la fin, elle fait... Merci beaucoup, Guillaume. Même si c'était pas prévu. Il faisait ça pour quoi? Il venait dénoncer des affaires. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa life. Mais comme il a dit, il a reach un niveau que... Fuck that shit. Pour le reste, son affaire pour le reste, il aurait pas dû se... C'est ça l'affaire. Moi, j'aurais préféré qu'il own up. Ouais. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Ça aurait été wrong. J'ai vu mon arme. J'ai vu le bail. Ah! C'est ça ma blague. Ouais. Puis après, je veux dire, c'est quoi? J'ai fait une mauvaise blague. Finalement, ça, mais pour qu'il reste pas tes questions quand même. Mais au moins, you own your shit, right? You said it, own it. Own it. Je pense que dès qu'il y a un blanc du N-word, excuse-moi. No, own it. You did it. You said it. You already know. Rendu là, t'avais envie de le dire. Yo, Richard Martineau,
l'utilise tout le temps. Oh ouais, lui, ah ben ce gars-là, c'est son mot préféré. Oh ouais. Yo, lui, il est gossant. Il fait exprès de le quote dans les phrases. Tout le temps. C'est quelqu'un d'autre qui le dit, mais il le répète. Ah, mais il le répète. Ok, ouais. Il utilise la règle, là, que justement... Ah ouais, c'est quasiment ça. Le nègre. Non, mais lui puis sa femme, c'est pareil. Puis sa femme, chemin, c'est passé aujourd'hui, Sophie Durocher, qui parlait comme si elle banalisait l'affaire. Mais c'est la première à sauter partout quand quelqu'un parle mal des Québécois. Ah, OK, lui, OK. Puis ils sont comme eux autres. Moi, Richard Martineau, pour le vrai, je sais qu'il aime pas les blagues. Ouais. Mais c'est correct parce que... Je pense pas qu'il aime pas les blagues. Je pense qu'il aime pas les blagues qui s'expriment. God damn, ça fait même pas. Tu comprends? Je pense qu'il aime juste comme un bras tweet. Tu comprends? Moi, je pense qu'il aime Frédéric Pierre. Ouf, et puis énormément bras tweet. Exactement. Ouais, et puis ça finit là. Je pense que dans le fond, qu'est-ce que... Bah, mais je veux pas que vous faites cancel. Non, mais c'est pas ça. Je pense que qu'est-ce que tu es en train de dire, c'est qu'est-ce que moi je suis en train de dire. Je suis en train de dire, c'est pas une question qu'il aime pas les Noirs. C'est une question que qui aime un Noir quand t'as un certain sentiment d'assimilation de ton côté. Non, il aime les Uncle Ruckus. Comme c'est ça. Fait qu'il voudrait pas s'asseoir. En même temps, on prend la personne la plus cliché dans la pièce, Hollywood. Il voudrait pas s'asseoir, admettons, directement avec toi. Tu comprends? Avec des shades. Avec des shades. Avec toi. Ça dépend. Steven, tu aimes mettre des shades dans les clubs. Non, attends. Parce que la fin, c'est que Steven, c'est que tu vas le répondre comme professionnel. Exactement. Et correctement. Hollywood, puis moi, on peut le répondre. Correctement, mais on va pas le faire. Je comprends. Vous allez pas faire de code switching. Non, je ne cherche pas. En passant, on a des Québécois de la rive sud qui viennent dans le pod là. Et je leur parle normal comme si j'étais. Exactement. Je fais la traduction. Oui, ouais. Tu comprends? Oui. Pour la faire comprendre. Ouais. Ouais, il y a certains commentaires qu'on va pas comprendre. Non, mais. Comme là, c'était comment il s'appelle le gars qui venait à votre podcast là, j'ai oublié. Qui? Le gars qui fait les vidéos là. Puis... Shot by Jay? Ouais, c'est ça. PC, c'est ça, ouais. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses que vous avez dit qu'il n'y a peut-être pas compris, puis vous devez le expliquer. C'est normal. Les gens étaient surpris de voir que Pierre est venu au. La réaction des gens quand ils ont vu PC dans notre shit? Non, mais puis pour de vrai, c'est un des gars, parce que j'ai eu ma phase de peut-être un mois où je regardais beaucoup TikTok, puis je voyais toujours ses vidéos. Puis c'est intéressant. C'est quoi ces vidéos? C'est quoi qu'il fait? C'est quoi qu'il fait? Bon story, t'es le. Non, c'est quoi là, quand il parle? T'écoutes, c'est un courtier hypothécaire. Ce gars-là, même dans votre podcast, là, vous avez presque rien dit. Le gars a juste pris la parole. Qui avait raconté, je m'en fous, m'en avait parlé. Il avait raconté une histoire d'une femme qui voulait réhypothéquer la maison au nom de son mari, puis qu'elle n'avait pas à voir son mari. Ça se peut. Faisait comme un 150 000, mais elle faisait ça sans doute. Oui, oui. Yo, lui, son storytelling game est solide. Je ne l'ai jamais entendu. Elle m'a joué le bail, puis j'ai écouté du début jusqu'à la fin. Non, il est fort là. Non, le gars, tu l'écoutes, puis il est jeune. Je sais pas s'il y a 30 ans. C'est vrai. Mais pas en 30 ans. C'est ça, il est jeune. Puis le gars, c'est un vendeur né là. Il n'y a rien à faire. Le gars, c'est un vendeur né là. En passant, je pense que c'est un gars que vous devriez checker. Ok. Absolument. Ben oui. Mais ce gars-là, je jure, comme. Moi, nous, on l'a checké en se disant, ok, ce gars-là va pouvoir au moins éduquer notre communauté. Yeah. Par rapport au préhypothécaire. Yeah. Real estate is a shit. Yep. Yeah. Et pourtant, ça fait même pas le temps qu'il est là-dedans. Puis quand je l'écoute, ben oui. Il en sait plus que des gens qui sont 30 ans là-dedans. Si t'écoutes son story là, son storyline là, yo, il va te dire, yo, c'est un vendeur né. Ouais, c'est un vendeur né. Yo, il a raconté une histoire, il travaillait au Future Shop, mais là, son mindset de comment il travaillait au Future Shop. J'ai dit, ok, toi, t'es un vrai. T'es un vrai là. C'est fou là. Mais c'était bien, bel épisode pour vrai, gars, celui-là. J'ai vraiment bien. Yo, respect. Je pense que yo, en plus que. Les gars, vous êtes des gars comme très professionnels. Je pense que yo, PC là. Yeah. Nice. Il a tellement de stories, c'est fou là. Mais pour revenir à Guillaume. Yeah. Ben, Max. Faut que tu me dises comment t'as trouvé l'arbre. Comment t'as trouvé cet arbre là? Moi, je pense que. À chaque temps d'aller couper. Apparemment, c'est sur son terrain en plus. Oui, mais c'est lui qui l'a mis. C'est lui qui l'a mis. On peut pas dire le contraire. C'est lui qui l'a mis là. Ouais. Yo, bro. Pensez que c'est pas lui qui l'a. Come on, guys. De toutes les armes. Non. Parce que c'est important. Mais il c'est laquelle de ces maisons? Probablement. C'est laquelle de ces maisons? C'est ça qu'il faut dire. C'est laquelle de ces maisons? Parce que pour le vrai là, c'est très important. Il faut voir où il habite. Est-ce qu'il y a des blacks
qui vont là-bas. Est-ce qu'il y a des, des blancs, c'est impossible, des courtois, des blacks? Oui, mais c'est sur son terrain. Astime, nigger. Puis marqué, puis le gravé sur le arbre. Non, mais attends, puis tu sais quoi? C'est avec le A, pas le E. Non, mais c'est ça, c'est avec le A. Mais c'est pour ça que je pense que c'était intentionnel, pour de vrai, qu'il, c'est lui-même qui l'a écrit. Parce que quelqu'un, someone who's gonna carve into a tree a slur that is racist is going to write nigger, E-R. Ouais. Lui, il a écrit nigga. Je pense qu'il se croyait vraiment drôle. Il voulait être raciste. C'est sûr qu'il pensait drôle. Qui va carve nigga in a tree? It ain't us. I'll be honest. It ain't us. La théorie fait beaucoup de sens. But when I go back to the previous conversation que la Terre est plate... Va chier, Gabi! And on that note... Vas-y, Gabi. Il faut pas... Chut, Tanné. Son excuse est à ça, là. Réveillé. Mais ouais, yo! Bien ceci, là! Yo, c'est chaud comme ça! Ça a l'air d'un bon réveillé, là! Oui, bon acting job! C'est sous un des yeux. Mais la réalité, quand... Mon agent m'a appelé! Il y a ce monsieur! Non, c'est pas acting! Parce que normalement, yo, moi... La main de mon chien, de mes enfants, j'ai jamais fait ça! Mais non, mais c'est un bon acteur, parce que moi, faut que je m'excuse, j'aurais fait ma chasse avant, j'ai arrivé frais, yo, cheveux comme ça! Mais non, il a dit, fais lever, mon chien! Non, yes, man! Yes, man! Le moment du fuck you money, comme, yo, il va avoir zéro conséquence, là! Est-ce que vous calculez? Non, mais il a perdu sa job à... Ouais, il vient de perdre la première fois, moi! Chanteur masqué, chanteur masqué! Yo, là, je dis, le banner, il est plus mine, là! C'est pas la même manière. Mais je suis saying que ouais. Si elle était capable de survivre, sache, dans ce sens-là. Moi, il y a déjà une femme qui m'a dit, yo, je vais jamais parler avec toi, je suis pas en avec toi parce que t'as pris vaccin. Ah, à cause que tu l'as pris. Ouais. Mais c'est l'inverse. L'inverse aussi existe. Est-ce que c'est ta mie qui t'a dit ça? En plus, j'étais fâché. Oh, coup dur. Coup dur. I'm just j'ai en train de regarder l'affaire. Oh non. Mais ça fait rire quand tu dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a un podcast que j'aime beaucoup, que j'attendais, qui sort le mardi. Ouais. Le mardi, je m'en vais dans mon affaire, je vois le podcast Gameface. Je vois l'affaire sort pas. Je fais, hein, je m'en vais sur Twitter, X, whatever, pour voir parce qu'il donne toujours des updates. Et comme, ah ouais, il y aura pas de podcast aujourd'hui, j'ai le COVID. Oh. Encore? Mais non, tu vois, en tout cas, là, on n'a pas commencé là-dedans. Oui, aujourd'hui. Oh, fait que là, je suis comme. Mais ça, c'est Californie. Est-ce que COVID, ça se passe encore? Californie démocrate, comme eux autres, COVID. COVID est un thing, là. Je suis sûr que le gars, il s'est senti un peu malade, il a fait le test, ça est positif, puis il a tout cancellé ses bails, là. Ouais, mais j'ai. Ok, attends. Le contexte du pod, par contre, c'est littéralement une table quasiment comme ça, les panels sont face à face. Yeah. Okay. T'aurais été down de faire un podcast, c'est que ton hell boy, yeah, avec le gars qui a un COVID. Hold on, let me talk. Ben moi, t'as une grosse grippe, je vais être à côté de toi. Let me talk. C'est ça. Non. Vous êtes malade, là. J'ai, durant le temps de COVID. Hein? Non. moi, je suis pas vaccinée, OK? Uh-huh. Et... C'est ça. Ben là, on l'est toutes pas, parce que peu parce qu'on l'a pris, c'est plus bon, là. Moi, je l'ai jamais pris. Period. T'as pas pris le bout du chat? J'ai pas pris de bullshit non plus, OK? Et puis, durant la pandémie, quand que the whole COVID thing was really, really big, dans ce moment-là, je fréquentais un gars. Mm-hmm. Oh. Et puis, c'est pas de tes affaires. De quoi tu parles? Anyway. Je vais te pousser à côté de la caméra. Je fréquentais un gars, puis il était vraiment malade, là. Mal en point, là, OK? Puis il testait positive for COVID. Lui, puis tous ses coéquipiers de whatever, je sais pas trop quoi, OK? Ah ouais? Bon, je vais pas te donner trop de contexte ou pas personne commence à mettre deux plus deux ensemble. Mm-hmm. Et puis, j'ai quand même été chez eux. Oh! J'ai quand même couché avec. Oh! Et puis, j'ai jamais pogné COVID. Je suis même pas malade, même pas... Nada. Ouais, mais ça dépend des filles ont eu le COVID. Est-ce qu'il était COVID? Ouais, mais c'est comme n'importe quelle maladie. On s'entend, c'est ton système immunitaire. Ma femme, elle a eu, elle était malade comme un chien, puis moi, je l'ai eu, j'ai été à peine malade. Oui, non, mais c'est correct. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que je pense que ça a été over-exaggerated. En tout cas, on va pas commencer sur ça parce que moi, je peux en parler pendant des siècles. Ouais, ouais. Mais je vais juste dire qu'il y a encore des personnes sur ça. Il y a encore des personnes sur ça. Guys. Yo, by the way, parlant de ça, ton air climatisé va me donner le COVID, mon gars. Oh, t'es sérieux? Donne-moi la main. Tu vas t'en occuper? Tu montes? Tout m'énerve. Tout m'énerve. T'as froid? Yo, tu bois pas assez de froid? Non, pas froid, quand même. Prends ton bébé, mon cher. Prends ton bébé, mon cher. Yo, t'as le bacard. Ok, je suis bon. Guys, checkez ce headline-là, ok? Vas-y.
Oregon dad accused of drugging daughter's 12-year-old friend at sleepover. Ça, c'est fucked up, ça. Wow. 10 ans. C'est quoi, Tami? Lis l'article pendant que je... Oh, wow. C'est des Bobby Jones? Okay, so go on. An American man turned himself into police on Wednesday after authorities in Oregon accused him of drugging three 13-year-old girls. Oh my God. At his daughter's sleepover. Oh my God. Using mango smoothies laced with, what is it, benzos? Yo, moi aussi, yo, les mango smoothies, c'est les meilleurs, mon gars. Gardez. Mon vicieux. Parce que le gars serait moindrement intéressé. Oh, on dit mango. You had me a mango. Yo, mais ça, je sais pas qu'est-ce qu'il a discuté là-dessus, on est tous ces fuck. Yo, that is crazy. Attends, je veux voir. Mais fais ça pourquoi? C'est un pire phase. La manette, ça c'est. Ça dit pas pourquoi. L'article est long, là, mais. Qui se passe dans le monde. Yo, la fête du monde arrive. Ça, c'est la fille qui a texté sa mère. On est à la fin des temps, oui. She didn't feel good. C'est ça, non, pendant qu'il dormait, supposément. Le père est venu pendant qu'il dormait, puis il y avait une des filles qu'elle avait toujours rêvée. Moi, je veux savoir. Elle a resté réveillée, puis à un moment donné, comme dès qu'elle pouvait, elle a envoyé des messages. Je veux savoir quelque chose. Yeah. Est-ce que les parents des enfants ont donné des comments ou ils ont roulé le badnet, quelque chose? Il y a pas de bail derrière. Ah, bah c'est clair, non, j'ai pas vu tout ça. Mais là, tu vois, ils disent. Attends, ils disent a motive is unclear. Un motive de quoi? Oui, parce qu'il y a peut-être rien arrivé. Ils se sont fait droguer, mais il n'y a rien arrivé. La chance de faire. C'est parce qu'il n'y a pas eu la chance de faire. Il y en a une qui n'a pas pris. Yo, T'as des mauvaises intentions. Mais clair. I'd be in jail. I'd be. Listen. Yo, non, il y a nos enfants, mais. Jail. Je suis en mode. Ouais. Je pense avoir entendu l'histoire du gars qui avait drogué. Mais il y avait 220 hommes qui avaient été portés plainte par rapport à un gars qui avait drogué ces gars-là, puis les emmenait chez lui, puis les violait. Oh my God. 220 même? Puis c'est 220 qui ont porté plainte. Ça veut dire que. Il y en a 500 faciles. Ouais, non, il y en a plus de 700. Est-ce que tu te rappelles un peu le contexte? C'était comment? Comme, on se voit dans un bar, chauffe un drink. Ok, des hommes là? Ouais, c'est des hommes. Sauf moi, je me dis que yo, il y en a drillé au moins 700. Parce que moi, je sais que si on me viole, je meurs avec ça. Comme personne va savoir ça. Je comprends pas ce que tu veux dire. C'est pas tout le monde qui l'a. Il y a au moins 600 personnes qui l'a. Sauf dans cette situation là, ben ça part pas. Mais non, yo, c'est pas vrai que tu vas droguer des enfants juste pour le fun. Juste pour le fun. Dans le même headline, il y aura un autre headline en bas. Parent killed the father. Oui, c'est ça. Ben oui. C'est tout. Après, un passager. Fou. Yo, ouais. C'est quoi ça, mon gars? Ou t'aurais vu le nouveau film sort? Sort, il y a déjà combien là? Le 11e serait sorti là. De nos jours, c'est True Story Documentary. Yo, ouais, oh, ouais. J'aurais poulé devant le Kevin juge. Kevin dans basement. Bébé, bavé. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que la fille, elle avait texté sa mère. Ouais, de « please come and get a cup ». Sa mère est venue la chercher, mais ensuite, eux autres, ils ont informé les autres parents pour aller chercher leurs enfants aussi. Yo, dans mon bec, là, tu vas voir que tu peux pas toucher les enfants. Non, mais c'est ça l'affaire. Oui, mais attends. Au petit monde, au pire, je poule pas ma négole au bas. Yo, c'est que les gars. Yo, Hollywood, toujours à son sécurité. Au petit monde, calcule. N'importe quoi, yo. Oui, mais c'est jeune. Oui, mais c'est jeune aussi. Tu sais, comme, un moment donné aussi, je pense que, en tout cas, je pense que, I don't let my kids sleep over. Mm-hmm. Je suis pas dans tout ça. Puis même mes jumeaux, ils ont 12 ans, là. Je suis pas dans tout ça, là. Mm-hmm. Si les amis veulent venir à la maison, il n'y a pas de stress. But my kids... J'en vais pas dormir nowhere. Normal. Non, mais je pense que c'est comme... Mais je pense que c'est... Moi, je suis... Non, moi, je suis comme ça. Moi, OK, attends. Emmènerais-tu tes enfants en voyage? Ben oui. OK, demande à elle. Non, même pas en voyage, pourquoi? Ah non, pourquoi? Elle aime pas voyager à la base. Ouais, j'aime pas voyager à la base, gardez. C'est possible! Qui aime pas voyager? Mais attends, mais pourquoi? C'est quoi le rapport de tes enfants et de voyage? Mais je m'en vais en voyage bientôt, mais j'ai jamais voyagé.
À cause quoi, t'as fait l'avion? T'as jamais voyagé? Non, je m'en vais voyager en début 2025. Ok, mais t'as jamais voyagé, c'est pas pourquoi? Dire que t'as pas voyagé. Non, mais, pourquoi les enfants, c'est quoi rapport des enfants? Oh non, mais c'est avant les enfants. Non, mais c'est parce que moi-même, j'ai peur de voyager. Mais pourquoi? J'ai peur, I'm scared of heights. Ok, c'est ça. Ok, donc l'avion. Oui, j'ai peur de l'avion. Donc tu vas aimer le prochain sujet. Non, on va partir. J'aimerais vraiment dire que yo, il y a beaucoup de conversations que yo, on m'a dit personnellement, puis j'aurais pas dévoilé. Ça sent bien. Tu peux lire celui-là. Ah non. Non, mais là, il va pas partir en voyage. Oh yeah, you see, this is why I don't fly. You see, so United Airlines, another Boeing issue, plane loses panel mid-flight. This is crazy. Guys, vous avez entendu parler qu'est-ce qui se passe avec United, là? C'est sérieux, là? Moi, je vais pas mentir, j'ai juste entendu les trucs qui se passent avec... Ah, yo, vague, je m'en vais pas nowhere. Pas Boeing? On va pas lire tout l'article, là. T'as rien entendu parler? Non, il y a un autre qui vient juste de fermer, là. Qui? Il y avait un autre... Fleur. Il y a deux nouveaux, là, non. Il y a l'autre... Ah, j'ai oublié, c'est quoi le nom, mais... Porter? Moi, j'ai Fleur. Moi, j'ai déjà avec Fleur, mais je suis content, je bouge avec Fleur encore. C'est ma première expérience. Fleur puis Spirit, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, non, non. Mais je monte là-dedans. Yo, j'étais avec Spirit une fois parce que j'avais pas le choix. J'étais avec Spirit une fois parce que j'avais pas le choix. Bro, 2 heures, les pires de ma vie. Yo, probablement, cette chaise-là est très confortable. Yo, exactement. Yo, je suis assis sur une planche de bois. Oh. OK? Y a rien dans toi. C'est vraiment minimum. Yo, ils sont forqués. Les gars, ils te chargent pour un carry-on 80$ américain, man. Fait que oui, tu sauves l'argent sur le billet d'avion, mais ils te prennent ailleurs. Non, je vais pas trop parler fort. Même si je suis allé avec Flair. Yo, Flair, chaque fois que tu vas prendre l'avion, tout le temps delay. Tu peux jamais prendre l'avion. Tout le temps delay. Yo. Ils t'ont souvent booké. Ils avaient même pas booké l'avion encore. Ils avaient pas d'avion encore. Flair Canada en même temps. Bon, l'heure qu'ils ont mis, c'est supposé être la même heure. Je suis arrivé 4 heures après lui. Yo, on est à la même place. T'as sauvé combien d'argent en réalité là? Non, Flair, c'est fou. En plus, il... Mais là, tu dis extorsion dans l'avion. Et yo, tu dis American Airlines? Non, c'est United. United? Guys, puis moi je vous dis. Des fois, vous le prenez, hein. Parce qu'on s'entend, quand tu bookes avec Air Canada, des fois, là, c'est Air Canada, mais c'est United. Il faut que tu checkes. Moi, guys, moi je check tout le temps. Air Canada, ils ont pas de Boeing. Air Canada, ils ont pas de Boeing. École privée. Quand vous bookez un avion, vous pouvez voir c'est quoi l'avion qui va, comme. Ouais, c'est le modèle de l'avion. Anyways, guys, faites attention à Boeing. Les compagnies qui sont safe pour le moment, c'est Air Canada, Delta. Ça, c'est ceux autres qui sont comme American Airlines. Moi, Transat, j'ai toujours aimé. Man. Moi, j'ai jamais eu problème avec Transat. Ouais, c'est ça. For sure, les lignes canadiennes, ils n'ont pas acheté de Boeing. Mais au niveau américain, si vous devez aller aux States, Delta is your best way to go avec American Airlines. Mais United, ils ont tout acheté. C'est eux autres qui ont tout acheté les avions Boeing qui sont en train de tomber présentement. Yo, guys, non, pas ça. Okay. So, dans le fond, je vais juste réitérer, mais je vais faire ça vite. On a déjà parlé. Ça a commencé il y a quelques années avec le Air Max. Il appelait Air Max Tintin, là. 737. Whatever, OK? C'est un avion normal. C'est juste que c'était comme un nouveau modèle. C'était un 737, mais comme nouveau, right? OK? Mais ils ont fait une nouvelle technologie dedans. Yo, l'avion, en plein milieu de il est en train de monter. Non, you see, I'm not going nowhere, never mind. Puis le pilote disait, dans la boîte noire, quand ils ont pris la boîte noire, il disait, c'est comme si l'avion a pris contrôle normal. Finalement, il y a 2 avions qui sont tombés comme ça, puis ils ont dit, c'était un problème dans le software. Ils ont fait une erreur dans le software qui fait en sorte que l'avion nosedive tout seul. Ils ont gelé les avions. Il y a eu une investigation. Ils ont eu un fine. Il y a des gens qui sont morts, là. Mais sauf que c'est des avions de genre Malaisie, comme whatever. Mais c'était pas Delta, là. Tu comprends? Mais c'était leur avion quand même. Les balles où est-ce que tu dois vraiment pas avoir d'erreur dedans? C'est là. Ah ouais, non, attends. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça le zin. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que par pure coïncidence, les problèmes ont commencé à arriver avec Boeing quand ils ont commencé à implémenter leur affaire de diversity, equality and inclusion. Oh, because there's black people on the plane, non. They're going to shoot the plane down? Non. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est parce que dans le fond... Elle le vend plus, je comprends pas. Parce que c'était pas bon. Moi, j'étais pas bon. Le CEO, il a dit, il y a quelques années, il a dit, ouais, nous autres, maintenant, on veut que notre force de travail soit...
équitable. Donc, 50% de notre force va être des Noirs, des femmes, LGBTQ, comme whatever. Puis là, les gens ont commencé à dire non, pour des avions, tu ne devrais pas faire ça. Pour des avions, tu devrais avoir la meilleure personne pour le travail. Si ça donne qu'ils sont tous blancs, si ça donne qu'ils sont tous blancs, ben, so be it. Mais si c'est la meilleure personne pour construire un avion, you should take that person. Mm. Tu ne devrais pas juste remplir ta force de mécanicien ou d'ingénieur simplement basé sur la race de la personne. Je pense que c'était à cause de, qu'ils faisaient des cutbacks sur so quality checks. Non, c'est ça. They were doing cutbacks, yeah. Mais en plus de ça, il a mélangé avec l'affaire de DEI. Tu comprends? Anyways, longue histoire courte, guys. En tout cas, quality check, c'est un quality check. Longue histoire courte. Sunwing! Sunwing. Sunwing! Ah, yo, moi. Moi, je m'en vais. Je travaille avec Sunwing. Il y a quelques turbulences, mais yo. Il y a de la turbulence? Récemment? Ah, mais turbulence, c'est là. Dans n'importe quelle avion. Attends. Non. Attends, écoute. Attends, gars. What? Oui. Ah, yo. Yo, ok. Toi, tu veux rien savoir. Maman, j'ai fait où ça? J'ai énormément voyagé avec Sunwing là. Et avec mes enfants. Mais moi, j'ai voyagé, je sais pas combien de fois. God is good, amen. Ouais. Non, mais moi. Turbulence, il y en a tout le temps là, mais. Ben, pas tout le temps. Quelquefois, il n'y en a pas, mais. Wow! Mais comme je suis un homme qui frappe 4 shots de cognac avant de rentrer, dans l'appartement, je dors. Yo, moi. Sauf si je dois mourir, m'sou! Je ne vais même pas dormir dans un avion. Moi, c'est rare. 4 shots de cognac. Normalement, je prends toujours Air Canada parce qu'ils ont les bails de films. Yo, ouais, je regarde des films. Le fer là, yo! Je regardais Dive Film. À zéro! C'est sûr, il y a deux films back to back là. Yo, rien à faire! Bon, t'as ce gars là qui a qu'un Barbie World dans l'avion. Yo, Netflix? Même pas. C'est ça, j'allais dire Netflix, tu peux download puis tu mets juste. Bah, c'est ça qu'Hollywood se met à bêter, mon jeune. Yo, toi qui dis ça? Mon patron! Yo! Regardez le panel qui peut même pas scroll dans son téléphone, aller voir une adresse, il me dit c'est yo, il a donné l'adresse, c'est comme ça que j'ai pris l'adresse. Mon chef, tu l'as appelé, mon chef. Non. Yo, gardez là, il ne pouvait pas faire le slide down. Il exit out, clairement que t'es déçu. T'as pris le slide, t'as même pas d'amour. Un grand film. Mais non, j'ai calculé le slide facilement. On n'est pas obligé d'être là. Les gars vont commencer à jouer. C'est hier, il s'est su qu'on pouvait faire screen vidéo sur téléphone. Même Samsung peut le faire maintenant. Ouais, mais attends, t'as un iPhone? Non, on est dans Samsung ici. Non, mais Samsung, Galaxy, mon gars. Non, ok, regarde, on s'en fout. Je suis déçu, Hollywood. Tammy, let's not go there. Non. Let's not go there. Attends, c'est qui qui a un iPhone ici? On lève la main. Ok, au moins. On est un ici. On est trois. Tu dis pas. J'ai les deux. J'ai les deux et Android à vie. Yo, j'ai les deux. Exactement. Do you guys have WhatsApp? Samsung. Comment? Est-ce que vous avez WhatsApp? Ben oui. C'est WhatsApp mondialement. The whole world. The world uses WhatsApp. The whole world. Yo, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais je demandais juste les applications. Est-ce que. Non, il y a une chose. Est-ce qu'on peut screener aussi sur des Android? Il y a une application. Un Android, c'est comme si tu avais un ordi dans tes mains. Oui. Mais il y a une application. Il y a une application que iPhone est meilleure que les autres. Snapchat. Et voilà. C'est tout. C'est tout. Il prend mieux les vidéos. C'est tout. Ok, mais la caméra Android. Ah, ben non. Yo, c'est même pas ça. 2024. En tout. De loin. Pas seulement ça. De loin. En 2024, toutes les caméras sont pareilles maintenant. Non. Non, je suis désolé. Les photos Samsung sont un autre niveau. Non, elles sont un autre niveau. De loin. Je veux juste que pour quelqu'un qui prend des photos normales dans la rue, c'est même pas Samsung dans les Android le meilleur dans les. Non, c'est iOS. C'est le Google. Oui, le Pixel. Le Pixel. Oui.
Oui, oui. Really? Mais ça me semble devant un fond de l'ensemble. Mais c'est Andrew et Mr. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais, ouais. On est tous en Angie. Normal. I gotta see after. I'm gonna check it out. Non, non, trust me, trust me. Les photos, ça me semble. Oui, exactement. Mes enfants sont tous des iPhones. Je n'ai pas de vidéos avec le Google. Ben ouais. No, I'm not a pastor, but you're not gonna give that speech. Regarde, t'es bon. En vrai, il y a quelqu'un inside qui se donne ça, n'est pas dedans. Yo. C'est mon, ouais, c'est ça, c'est ma ligne, ça. C'est ma ligne. C'est pas mon ça. And it's, I know, no. Y'all gonna get this word, c'est ça. Regarde, là, qu'il y a mode Kim Flo speed dating ici. We best friends. We been there. We done that, and now we best friends. I got his back. He got my back. That's it. That's it. I just can't even. Okay. That's the sujet. Oh, well, you know. Friends, ouais. Non, sure, puis même, on va bah, essayer. Bon, ok, bon, c'est quoi? Est-ce que ça existe vraiment, ça? Honnêtement, pour vrai, comme, est-ce qu'on va... Est-ce que ça existe vraiment? Pour de vrai, we are like best friends. For real, là. Mais quand vous vous connaissez inside and out, mon Dieu. Oui, inside and out de tous les sens, depuis longtemps. OK, that's fine. That's great. Tu penses que... T'es gardé, comment ta femme se sent par rapport à ça? Hein? Comment ta femme se sent par rapport à ça? Oh! C'est chaud! OK, c'est pas des premiers flies. Moi, je pense que c'est que tu l'aimes. Tu comprends? Vous avez une famille ensemble. Ouais. Puis je pense qu'elle comprend que t'as un passé. Puis que tu as été... Like a true friend. Attends, on va poser la question à Gardelac, là, je comprends pas. Non. Non, mais c'est juste comme que une bonne amie, elle répond pour lui. C'est ça, ils peuvent finir leur sentence. Oui, oui. Tu connais pas ce bail-là? Je suis pour là pour toi. Voilà. I got you. I'm on. I got you. Yo, vous venez pas me tuer ici. Non, mais for real. Ma théorie, comme j'ai dit, la seule manière, c'est si t'as déjà marié. Non, Amanda, on for real, c'est ma nigga, là. Non, je comprends. Ok, Guillaume, ok. Si la situation... La photo de Guillaume à l'arrière. Là, ça, mais anyway. Elle sait, là. Comme si elle a n'importe quoi, comme je suis là. Okay. And same here. I got his back. Oh, that's so beautiful. Parfait. For real. Je suis content pour vous. Ça fait longtemps que t'as pas gâté mon dos, mais c'est cash. Ça laisse des traces, tout ça. Bien sûr, tantôt, laisse des traces, là. Ah, c'est ça, merci. Grâce au dos aussi? Merci. OK. Parce qu'après le manger, là, je pense qu'il y a gratté d'eau qu'on se donnait comme le dos. Mais quoi, t'allais dire mon dos est quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Mon dos est gros, genre, ce que tu dis? Y'a même pas fini de parler encore. C'est ça, c'est comme ça que vous complétez vos bails. Non, mais c'est quoi vous avez mis là-dedans? Pour de vrai, on dirait que le LS... Non, il a rajouté de la... Hollywood, bon, guys, on a beaucoup de sujets, il faut tout c'est tackle. C'est impossible de passer tous les sujets. Oh, non, on va tackle vite. Hollywood, je t'ai dit, il fallait que tu parles au podcast. La bine que Joshua a donnée à Ngannou. J'avais dit, il y a un bail que tu dois comprendre dans la boxe, ok? Il y a un bail que tu dois comprendre. Quand là, t'es un sérieux... Toi, premièrement, Joshua a vu le fight Fury Ngannou. Oui. Il a dit, oh, c'est comme ça Fury prend ça en blague? Ok, moi, je vais prendre ça en vérité. Yo, comme si Ngannou, c'est un solide. Ben oui. Mais, à la fin de la journée, si tu sais c'est quoi de la boxe... Sweet science. Yo, tu peux pas niaiser avec des boxeurs, bro. S'il y a un sport, tu peux pas niaiser avec des mecs, là. C'est la boxe, là. En plus, lui, comme j'ai dit, Joshua a changé de trainer. Il sait déjà, il y avait des lacunes, il allait changer son shit. Yo! Deuxième round, Mango dans la tête. Mango dans la tête, mon gars. Puis il avait pris dans le premier round aussi. Yo! Ngannou avait pris dans le premier round aussi. Yo, bro. Là, tu veux voir Tammy, tu veux voir la bine? Tu vois la bine? Ouais. Tu vois la bine? Parce que j'ai demandé à Gary si c'est le gars de YouTube, mais il m'a dit non.
Yo, regarde, regarde c'est quoi les faiblesses de Ngannou. C'est tellement facile pour toi. Moi je ne sais pas mentir. Moi, mon kick était sur Ngannou. Mais il calculait le chin de Joshua. Yeah. Ouais, ouais, ouais. Comme la plupart des fans. C'est un peu compréhensible aussi. Ouais, ouais, je comprends. Moi, j'ai juste vu que Patnet, que c'est son premier combat. Oh, yeah. C'est son premier combat de boxe avec Fury. Yeah. Et yo, le gars va. C'était 10 ou 12 rounds? Je pense que c'était 10 aussi. Je pense que c'est un monstre. 10 rounds. Le gars a fait 6 20 livres de plus. 20 livres de plus que Joshua. Mais pourtant, des signes de ses mains. Le reach de Joshua est plus long. Boum! Premier round. Premier round. Boum! Non, le reach a 4 pouces. C'est qui est à terre? Ça, c'est Ngannou. Lui, c'est un gars de UFC qui a décidé qu'elle allait dans la boxe. OK. Parce qu'il était tanné de comment il se faisait traiter dans la UFC. OK. De qu'est-ce que j'ai compris. C'est pas qu'il commence. Parce que l'affaire, c'est que. Il voulait faire plus de corps. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Non, parce que qu'est-ce qui est arrivé avec la nouvelle association qu'il a signé avec? Yep. Non seulement il lui donne un plus gros contrat, il lui donne des parts dans la compagnie. Oui. T'as oublié les assurances. Oui, mais oui. Il y avait les assurances aussi parce que Ngannou, exactement, Ngannou, lui, il voulait qu'on puisse assurer une certaine affaire parce que yo, les assurances pour les gars de MMA, c'est pas la même chose. C'est extrêmement plus cher là. Que la boxe? Mais. Ben parce que c'est yo, la boxe a des gars, yo, c'est. Ils ont des gants, mais. Ils n'ont pas de gants. En même temps, tu peux vraiment être. Bébé là! C'est ça l'affaire parce que UFC, les UFC, les mecs sont sous-payés. Oui! Mais on va se mentir, si t'es pas un top neck, Sombron, si t'es pas un top neck, tu vas pas faire de top. Bon, ça s'en vient là, ça s'en vient là. Il était déjà des babas là après là, quand t'as vu là. Ah ouais. Yo, il était des babas là. Là, tu vois, là, ça c'est. Là, il a pris. Là, tu vois le numbness dans le bras là? Ah ouais. C'est déjà, il est fini. Quand il après ça, ouais, c'est vrai, c'est jamais normal. Toutes les misères. Jamais normal après. Tu vois, quand ça parle, moi je connais c'est par terre. Mais il est saisi, hein, il est saisi. Il est saisi, là, tu vois dans sa figure qu'il est saisi. Joshua, l'affaire, c'est que comme tu as sous bike World 2, tu sais que World 2 a gagné. Mais est-ce qu'il va être capable de te toucher? Ouais, non, c'est là. C'est ça le bail. C'est la même chose pour Ngannou, là. Ngannou qui n'est pas un gars qui sait stand-up vraiment, comme un boxeur stand-up, c'est punch. C'est la même chose, tu dois l'aider. Tandis que moi, pendant le temps que toi tu dois l'aider, moi je vais l'aider. Je vais l'aider parce que moi je suis précis, ma technique est en forme. Yo, yo bro. Yo, il a fini là. Yo, fini. Check sa jambe, my God. Ligament, wow. Ligament. Yo, bro. Wow. Ça vient. Oxygène. Puis enlever sa main en plus. Oxygène. Yo, le matin a pris de l'oxygène après. Yo, il était pas bon là. Est-ce que tu penses que le fight de Ryan Garcia avec Devin Haney va se passer? Mais, oui. Non, je sais même plus. Parce que moi puis mon aigle Lobo, oui. On regarde qu'est-ce qui se passe avec Ryan Live. Oui. Ryan est débaba là. Oui. T'as vu les bails, yo, il est en train de boire. Mais les enfants sont déjà. C'est le ouais, mais yo, of shame. Pendant le contrat, il peut prendre un pénalité à cause qu'il est trop débaba là. Oui. Ça, c'est pas la première fois que ça arrive là. Oui. Là. Oui. Yo, Ryan est bizarre Live là. Depuis que ce contrat-là a signé, Ryan est méga bizarre. Yo, comme on a dit, il y avait des bails qui sont sortis qui prenaient du cocaine. Comme son boss. Cash. Comme son boss. Mais est-ce que tu penses que c'est la défaite qu'il a pris contre Gervonta? Oh, ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal, mal, hein? Ça l'a un peu fuck up. Le palais qu'il a donné avant ce fight-là, oui. Il était que l'a averti. Oui. Il a dit, fais pas ta petite fille venir au match. Fais pas ta mame Dux venir parce que tu vas apprendre, bro. Et il a pris pour le vrai. Là, ton ego, yo, ton ego prend un méga choc. Puis dans ce palais, caca est à zéro. En plus. Son palais est à zéro, là. Mais c'est important là-dedans. Le palais caca est important. Il était à Breakfast Club, là, il parlait comme ça. Yo, Devin m'envoie des messages textes, blablabla. Il pouvait même pas montrer des balles. Yo, t'as vu jusqu'à maintenant, il essaie de banaliser comment il a perdu contre Tank. Oh, Tank sera pas vraiment fort, c'est juste que la précision. Menteur! Yo, t'as regardé toutes les fights de Tank, tu vas me dire que ce panel-là sera pas fort. Allez. Le panel a fait perdre la vue à un panel avec une bine. Yo, le panel a donné une bine à Garcia, puis yo, il a reculé, et c'est coumé, et puis ni down. Quit! Non, ça c'est un quit. Il a quit. Il a quit. Un panel t'a fait quit, arrête, tu devrais même pas parler. Tu devrais même pas parler après là. Yo, Tank, c'est que moi, lui, il dit toujours, oh, je vais prendre des bines. Moi, je vais être capable de les prendre, les bines. C'est ça la différence, là. Mais toi, est-ce que tu es capable? Parce que c'est sûr que je l'aime. C'est sûr que je te catch. C'est ça la différence, oui, mais. C'est élite. Ouais. C'est ça la différence entre les élites, bro.
C'est non, ça c'est élite. C'est qui a gagné? Ouais, c'est là qui a perdu. Il a perdu comme ça. Yo, tu parles comme ça. Il a perdu comme ça. Puis il a fait saigner. Il a frappé dans le foie. Puis ça, il a commencé à saigner du nez, man. Holy fuck. Yo, bro. That's crazy. Tu parles de Patnaik qui est parti de 135. Son premier fight à 140, où ce que Ryan est. Il a tiqué le petit Patnaik, là. Ouais. Il a tiqué le Patnaik. Puis tu calcules le Patnaik comme ça, frappe pas fort. Ouais, c'est une bête. Non, les deux mains peuvent te tuer. C'est une bête. Les deux mains. Fait que, mais si le fight arrive entre Devin Haney et Ryan Garcia, Ryan Garcia va perdre. Ouais. Ryan Garcia est pas prêt pour le prime time. Il est pas prêt, là. Ouais. Comme toi, il y a lui, le même coach que Joshua a pris, il l'a pris aussi. Il vient de changer de coach aussi, mais le problème, c'est que Ryan n'est pas discipliné. C'est un YouTuber, le gars. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il aime ça être sur les réseaux sociaux en train de parler. Yo, t'as pas le temps, là. La seule personne qui pouvait faire ça, c'est ma nègre Mayweather. Ouais. Mais t'es pas Mayweather. Attends, mais là, vous parlez du gars YouTube puis Mike Tyson? Non. Ok, mais dans ça, qui vous. I don't know sports, but I'm just curious to know who y'all choosing. Ah, Mayweather puis Jake Paul? Tyson puis Jake Paul? Non. Yo, j'aime pas ce fight-là. Moi, j'aime pas ce fight-là. C'est un fight club, c'est parce sûr. Parce que j'ai vu Mike Tyson contre Roy Jones et le fight était tellement laid. Why? Because Tyson was too tired? C'est de grand monde. Il y a pas de props. Jake Paul devrait avoir honte, là. Parce que s'il perd contre un mec de 60 ans, il y a personne qui va être content. Mais en même temps, la communauté, si on voit Tyson perdre, on va pas être content. Moi, c'est pas que je vais pas être content. Mais il y a 60 ans, pour en étant un gars, un fan de la boxe, yo, le partner a 60 ans. Les probabilités que le partner perd sont plus élevées. Tu sais, au début, dans ma tête, Jake Paul est celui qui a gagné. Oui. Jack. Ben, sur papier, oui. Sur papier, c'est simple. Moi, je veux que Tyson gagne. Exactement. Mais la réalité, Puis on s'entend, Jake Paul n'a jamais été knocked out. Il n'a jamais été knocked out. Ça serait nice. Il a perdu, mais il n'a pas jamais été knocked out. Mais un fight Jake Paul, Javante. C'est comme quand Mayweather s'est battu contre le grand frère de Jake Paul. Ça a de la même affaire, là. Ça dépend, c'est le boxeur qui va décider comment le match va se dérouler. Yo, le poids est trop différent. Mais Mayweather l'a fait, pendant qu'il est retiré, parce que... Tu peux courir autour d'un partner comme ça. Logan, là, ce partner WWE, ce n'est Il est athlétique, L'affaire, c'est que l'affaire qu'un boxeur comme Javante peut juste faire, ok, je vais gagner sur des points, j'ai pas besoin d'aller brawl avec ce partner là. Ouais, c'est ça. Je vais courir autour d'un partner. Tac, tac, tac. Le poids... Mais qu'est-ce que t'as dit? Attends, qu'est-ce que t'as dit? Dans ce match-là, il y avait beaucoup de coups que Logan donnait que tu vois que c'était pas discipliné aussi. Ouais. C'était comme tout croche. C'est comme une bataille dans la rue, c'est pas la même chose. Justement parce que Logan, c'était comme. Il n'y a pas la discipline. Lui, c'est un mec aussi. Ce gars de lutte là. Mais lui est impressionnant, par exemple. Logan Paul, je suis saisi de voir les affects faire dans WWE. Qui ça? Logan Paul. J'étais saisi. Je le connaissais pas comme ça. Quand je l'ai vu. Yo, le partner a pratiqué pendant longtemps ce bail-là. Ces gars-là sont fucked up. Non, mais l'affaire, c'est que la même chose que je te dis. Jake Paul, oui, il fait le bail de boxe, mais il y a plein de lacunes aussi, là. Paquet de lacunes. Paquet. Un mec comme Javante dans son prime. Yo, mais Wadu était même pas dans son prime, là. Je suis d'accord. Un mec retailleux, là. Je suis d'accord. Javante est dans son prime. Je suis d'accord. Il y a des bails que le boxeur peut faire n'importe quelle boîte, là. Faut apprendre. Jake Paul, ça va être encore un autre bail. Il va essayer de laguer paquet de mango. Yo! Impossible, Javante perd. Impossible, là. Listen. Guys, un autre sujet. Est-ce que quelqu'un a suivi l'affaire de Aya Nakamura? Avec l'histoire j'ai vu passer sur le mur de Kevin. Là, Est-ce que ça, il s'est arrêté là dernièrement? La chanteuse, Aya Nakamura là. Supposément qu'ils allaient chanter pour les Olympiques, c'est ça? Les Olympiques, ben comment supposé? Ils l'ont pas annulé là. Je comprends pas. Elle est supposée de chanter pour les Olympiques. Ok, mais c'est quoi le scandale là-bas? Le scandale, c'est certains Français qui disent pourquoi c'est elle qui représente la France. Comme l'histoire de soccer, il y a trop de noirs dans l'équipe nationale. Exactement. Elle va chanter une chanson classique française, right? Oui, c'est une chanson de Edith Piaf. Il veut parler Oui, non, il y a personne qui va en tant qu'elle.
elle est number c'est one. Top, c'est tellement top. Les gens qui sont fans, c'est elle qui va représenter. Mais la France, guys, la France. Mais c'est la France. Puis shout out avec nos friends listeners. Paris, on vous voit. On vous voit dans les analytics. On vous voit dans les analytics, la France. I love the fans, mais fuck la France, là. On vient de perdre du cop. Non, mais je suis pas les français, mais je suis avec lui, fuck la France. L'avocat disait. Le YouTube money vient juste de rentrer, ou comme ça, Mario. Un bar en Afrique, ouais. Puis t'as une blanche par rapport qui va chanter un bail, une chanson. Ouais, mais c'est ça, j'ai compris. Africaine. Mais la France, qui est surpris que la France. Moi, je suis même pas surpris qu'il y ait ces commentaires-là. Yo, ils ont dit la même affaire de l'équipe nationale de soccer. Ouais. Ils ont dit la même affaire. Bah, sauf quand ils gagnent, hein. Ouais, c'est exact. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, non, mais je sais, mais comme yo, ils savent que yo, les gars peuvent pas faire une merde sans ces gars-là. Ouais. Ben, exactement, là. Mais est-ce que vous trouvez en 0.0 sens que c'est justifié, là, pas le hate raciste, fuck the racist, mais ceux qui disent qu'ils auraient voulu voir une fois un français ou une française chanter. Mais c'est une française, elle vient tout n'est pas française. C'est pas française. Comment elle parle pas française? Arrête de me dire. Moi, de ce que j'ai vu, elle était pas française. Mais non, comment elle est pas, elle habite pas en France? Je pense ouais, pas. Mais je pense que ses origines sont maliennes. Elle habite en France, mais elle est pas française. À un moment donné, après 10 ans, t'habites en France. Non, c'est ça, ouais. C'est comme ici, là, quand ils nous disent qu'on est pas chez nous. Yo, ça fait 30 ans que je suis ici, oui. Yo, c'est chez moi, oui, ici. Chez moi, oui. Mais c'est pas pour rien qu'on dit immigrant. Comme, à la fin de la journée... That's how they see you, yeah. T'es pas fini chez toi. OK, mais tout le cop qu'elle fait rentrer, elle vous donne un coup. Ouais. Fait que maintenant, moi, c'est ça que je veux dire, l'affaire qu'on devrait non, faire. Non, non, les négros, sur chaque bail que les blancs prennent, nous, payez-nous. On va prendre ton argent, on veut pas le droit. Le code qu'elle fait, redonnez-lui. Redonnez-lui. Vous voulez pas qu'elle représente, redonnez tout le code. C'est l'affaire de Joe Biden. Tout le code. Je suis d'accord. Les redevances. Yo, les redevances, mon gars, les redevances. Yo, non, ça, c'est cash. Faut qu'ils payent Haïti avant, vraiment. Je suis d'accord. I'm like, sir. 100% toi, le prof. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est normal que ces Européens-là disent. Ah oui, mais ça, j'ai dit, c'est correct qu'ils parlent comme ça. C'est pas nouveau. C'est pour ça que je suis pas choqué, moi. Je suis pas choqué qu'on dit bye. Okay. Mais à la fin de la journée, c'est qui l'a choisi? Non, for sure. Moi, c'est ça que je veux savoir. For sure. Et le pourquoi? Parce qu'elle a les chiffres, comme qu'elle a dit. C'est bien. À un moment donné, c'est quelqu'un qui l'a choisi pour la mettre là. Business is business. Non, mais à the end of the day, non, mais yo, guys, pour de vrai, comme, je sais pas, c'est qui est allé à Paris récemment ou en France récemment? Moi, mon peuple. On a un LCDA, yo, LCDA. Mais t'as jamais été voyager, bien. À la nage. Elle est allée à la nage. Yeah. Mais qu'est-ce que t'allais dire, Gardi? Qu'est-ce que t'allais dire? Mon plan, c'est de galer pour les Olympiques. Mais right. OK, c'est bon, mais whatever. Moi, en tout cas, ça se peut que j'aille rejoindre mon cousin, il travaille pour NBC, puis. C'est NBC qui a le contrat pour les Olympiques. Puis il y a toujours des hookup. So, anyways. J'avais pas beaucoup. Gibby en a plus que moi. Brébeuf, ça se peut que c'est même pas son cousin. Oui, il allait à l'école avec le partenaire. Brébeuf. Il allait à l'école avec le partenaire. Fraternité, là, au States, là. T'es rentré dans une fraternité. Il est rentré dans la fraternité. Mais non. Qu'est-ce que j'allais dire, c'est que. Je suis donné! Yo, les bails de step là! Je suis donné! Un gamin! Non, ouais, exactement là! Oh, mais But the white version! Non, non, mais mon point que j'allais dire, c'est que lui, il me raconte des histoires parce que tu sais, il est allé à Tokyo même pendant la pandémie aussi, ça c'était pas en forme là. Mais il me dit, c'est pas aussi fraîche que tu penses. Ouais. Aller aux Olympiques pendant aller dans une ville pendant qu'il y a les Olympiques, ben moi, ça m'intéresse même pas là, comme tout le monde. Mais whatever, it is what it is. Mais lui, il a eu l'expérience d'aller à la Coupe du Monde à la plage. Yo, si y a une personne qui est déplacée pour parler, lui, allons au Brésil pendant la Coupe du Monde. Toi, t'aimes la foule. Dis-leur où est-ce que tu t'es réveillé. Non, mais là, on parle de Brésil et la France. Où est-ce que tu t'es réveillé? Oui, il y a. Il s'est réveillé dans les favelas. Dans les favelas, hein? C'est un autre Félix. Ouais, Félix, c'est là, c'est le passé, il disait ça aussi, vraiment. Écoute. Moi, je suis rappeur. Moi, je veux pas dire que j'ai peur de rien, mais. T'aimes la sensation, genre. J'aime dealer avec la culture. La culture. Avec toi, 100%. La population. Puis. En 2014, quand j'ai été, moi, j'ai compris la culture brésilienne. Là. J'ai compris que, pour le vrai, les Brésiliens, là, le soccer, c'est no joke, là. Mm. Ouais, c'est une religion, là. Around. Comme, yo, tu peux pas aller parler sur Pelé, là. Tu peux pas parler sur Neymar, là. Tu peux prendre deux, trois coups de
guette normale. Normal, normal. Les Argentins, là, qui sont sortis de leur pays, et puis yo, ils ont fait la route en machine, ils n'ont pas d'hôtel, ils n'ont pas d'entendre Airbnb venir commencer à bomber. Ils n'ont pas d'Airbnb, ils dorment dans leur machine, ils font caca à côté de leur voiture. Et puis, Argentina a joué, et puis ils sont dans le stade. C'est réel. Tu comprends ça? Tu t'en vas là-bas pour une autre expérience. Je comprends. 100%. So, tu sais, aller genre aux Olympiques. Je comprends. Cool, cool, cool. Cool. Guys. Yo, j'ai de l'anxiété juste à écouter. Je voulais absolument finir. Je voulais absolument finir avec ça. Vous me dites que ça va passer. Moi, je suis fan de Joe Rogan, le podcast de Joe Rogan. Gros podcast. Je suis toujours surpris de voir le nombre de personnes qui écoutent ce podcast-là. C'est le plus gros podcast écouté au monde. Il y a un mois, il y a eu un invité. C'est un invité qui est récurrent. C'est un blanc. Et puis, lui, il emmène souvent des gens qui ont été incarcérés de manière... pas illégal, mais... faussement accusé. Puis que ça leur prend 20 ans pour accumuler la preuve, pour les faire sortir. Puis les gens viennent dans son podcast après pour raconter cette histoire-là, comment ils ont été faussement accusés. Puis là, maintenant, ils doivent se réinsérer dans la société. Puis whatever et tout et tout. Récemment, ce même gars-là, cet ami de Joe Rogan-là, il emmène un gars. Mais il dit tout de suite « disclaimer ». Ce gars-là a fait le crime. Il a fait le crime. Mais là, il revient dans la société. Il a changé. OK? Écoutez ça. Second chance? From Austin to Sheldon Johnson, a criminal justice reform advocate. It was at that moment where I really said I had to change my life. I have to change my life. I just can't do this. I had a wife. I had family still. My son was growing up. He was hearing stories about my so-called notoriety, and I just didn't want to be that dad. Like, I really was looking at myself and really evaluating, asking myself, like, yo, what the f- are you doing? I was smoking a lot of weed at the time. I was drinking jailhouse hooch. And I was at my worst. And I had to figure out how to get to my best. So it pulls at your heartstrings. You're like, man, I don't want him smoking that jailhouse hooch or drinking that jailhouse hooch. I wanted to have something better. So to be clear, he was sentenced for 50 years. Two violent robberies, but his sentence was commuted. He only spent 25 years in prison. Only 25 years. The purpose of whoever got him on Joe Rogan getting him that appearance is to make everybody go, oh no, people can change. Except as I asked, what if they can't? What if we're actually getting it right when we jail somebody because of two violent robberies? What if the mistake is being made in having our heartstrings pulled at? And I think that would be kind of the moral of the story when you look at all of America today. We feel bad for the illegal aliens. Oh, no, they've killed someone. So they killed somebody again. Oh, they want free money. And they want you to go to work so they can get more free. Maybe we should just stop caring so much as a society. And you know who is definitely now going to substantiate that plausibility that we should just stop caring? Well, the man that you just heard, Sheldon Johnson, 48 years old, he has been arrested again and charged. Guess why? He dismembered a body, allegedly. Of course, he still has to go through the court system. Dismembered a person. It was a body that was found in a bin and a head that was stashed in a freezer belonging to a victim named Colin Small, who was 44 years old. Now, why did they charge him and not somebody else? Well, they looked at some surveillance footage, which showed him transporting a large number of bags to and from an apartment. And the building's super had speculated that he was hiding something, not your average thing. You'd just be transporting a large amount of bags back and forth. Neighbors then allegedly told investigators they heard a victim pleading for his life before two shots came from the apartment. At least that is what those sources told the New York Post. Before the grisly discovery,
He was spotted in surveillance images appearing to disguise himself in a blonde wig and transporting large boxes and trash bags. So he has now been charged with murder, manslaughter, and weapon possession. So, again, this is allegedly what likely happened is he got into an argument with somebody. Ben, yo. Est-ce que Joe Rogan a réagi après ça? J'attends la réaction de Joe Rogan par rapport à ça. Ça c'est très récent. Quand le comme parole, mon gars, c'est... But then again, moi, je suis un peu believer. Dans... Oui. Tu peux miss. Ben, ça, ça... That's life, bro. C'est malheureusement, mon gars, c'est pas ça. Le patinet fait son parole et puis là, ils sont en train de checker. Le patinet donne tous les détails. Whatever. Yo, j'ai fait l'école en dedans. J'ai changé mes bails. But I still believe in second chance. Moi, je crois quand même en deuxième chance. Malheureusement. Il y en a, ça va marcher. Il y en a, ça va marcher. Exactement. C'est le parfait, là. C'est ça, exactement. C'est ça. Mais tu sais, tu peux pas juste tout le monde mettre en prison pendant 100 ans parce que you don't believe in check, parce qu'il y en a un qui slip, là. Exactement. Malheureusement. I'm just saying, il faut avoir des meilleurs checks and balances quand tu. Yo, ce gars-là est allé dans la plus grosse plateforme aujourd'hui, là. Ouais, mais est-ce que ça... Puis quand j'écoutais, excuse-moi, tapis, je te laissais parler, tapis, chapitre tapis. Tapis. C'est Amanda. Tapis. C'est Amanda. C'est Amanda aujourd'hui. Non, non. Je rappelle, j'écoutais l'épisode. Cet épisode de Joe Rogan là, je commençais à l'écouter. Yo, il y avait un vibe du patinet, je le filais pas là. Puis c'est pas parce qu'il a fait le crime là, comme il y avait un vibe qui parlait comme si je chantais qu'il bullshitait là. Comme que tu sais, que quelqu'un essaie trop de plead que comme, tu sais, qu'il a changé ou que whatever ou que, tu sais, et tout et tout. Yo, je vais donner un exemple très facile, ok? C'est quand tu vas appliquer pour une job, tu peux pas qu'elle mentir dans ton CV. C'est le mariage là, puis là, c'est le moment de l'interview, tu dors comme si, comme, oh, tu me parles d'ordi. Ah mon Dieu, je connais pas les voilà. Fake it till you make it. Non, c'est comme Gardier qui est un pro des applications. Yo, normal. Banner, back à scroll. Il fait des screen records, tout normal. Normal. Mais yo, ça, c'est des... C'est un peu miss là-dedans. C'est malade. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Vas-y, vas-y, Gardier, vas-y. Sérieusement. Oh, je suis sérieux, oui. Candace Owen? Yes. OK, d'accord. Je compare Candace Owen à Varda Etienne. Oui, oh, ok. Ok, continue. J'ai hâte d'entendre ça. Anne of Lovely. Anne of Lovely. Ok. C'est du monde que ils vont toujours se prononcer pour la cause des blacks quand c'est opportun pour eux. Ou comme d'une manière négative. Oui, oui. D'une manière négative, genre. Oui. Comme si we don't ever see them at the cookout. Ok. Tu peux tout faire un snippet avec ça, hein? We don't ever see at the cookout. Mais ouais, mais attends, attends. Est-ce que t'as déjà invité Anne Lovely à LCDA? We don't need to. Pourquoi? Ouh. Ça m'intéresse pas. Yeah. Ben, invite là. Puis après ça, tu feras un jugement. Sur ton jugement par après? Oui, mais c'est... Non? Le jugement va aller où ce que ça va finir. Tu suis les actions, genre. Je ne veux pas... Je suis pas là pour dénigrer la femme noire. De loin de ça. Tu comprends? Je ne veux pas faire ça. But... Je vais être collant sur mes réseaux sociaux à moi, mais pas sur les chroniques. Parce que si je fais quelque chose, c'est personnel à toi. Qu'est-ce que je pense? Je veux pas que ça affecte. Tu vas pas utiliser ta plateforme pour. Tu sais, qu'est-ce que moi j'ai compris? Non, mais tu sais, qu'est-ce que moi j'ai. Quel sur moi, je peux bouger, mais Hollywood peut faire son shit. Tu sais, moi, qu'est-ce que je vais dire? Moi, tu sais, quelque chose que j'ai compris, puis c'est la même chose que j'ai dit tout le temps, puis j'espère que les personnes me croient quand je dis ça. C'est quand j'ai parlé, by the way, félicitations pour votre nomination au Gala Dynasty. Félicitations, guys. Yes. Thank you. Et d'avoir gagné au Gala des entrepreneurs aussi. Ouais. Mais ça, je sais que les gars ont fait. Il est toujours hier, mais il était pas là. Non, mais je sais que les gars ont fait des menaces au jury. Fait que c'est pour ça qu'ils ont gagné. C'est les gars qui ont représenté. On n'a pas besoin. Blague à part, dans le podcast, il y a quelques semaines, on en a parlé. Je pense pas que tu étais là, Martin. Mes amis étaient là, on en a parlé. Tu sais, on parlait du Gala Dynasty, puis comme les hauts puis les bas de comment qu'on voyait Gala Dynasty. On a parlé comme quoi que vous êtes dans une catégorie présentement où ce que, on va se dire les vraies affaires, il y a certains podcasts qui sont là, les gars sont pas constants. Tu comprends? Yo, tu sais? Si vous gagnez, bon, je vais bon, je vais le dire live, mon opinion, live. Je vais le dire vas-y. C'est mon opinion, c'est, comme Gardier a dit, c'est pas obligé d'être Gardier, c'est pas obligé d'être les gars d'LCDA. Moi, j'ai vu les personnes nominées. Si LCDA gagne pas, je sais déjà où ça. Voilà. Je sais déjà. J'ai dit la même chose. En fait, j'ai dit la même chose. Mais attends, mais c'est quoi? Puis je pense que tu sais, c'est drôle, hein. Tu sais, l'affaire Full Circle, les affaires Full Circle, tu as fait la joke avec mon affaire de LCBO au début. Ouais. C'est la même affaire.
C'est quoi les critères? Ok, attends. C'est quoi les critères pour être nominé? Attends, c'est quoi les critères et qui sont les juges et quelles sont leurs compétences? Mais attends, laisse-moi aller plus loin. Laisse-moi aller plus loin. Guys, c'est pas la fin du monde. Parce que comme j'ai dit, moi, je pense que quelque chose comme Gala Dynasty, c'est important pour notre communauté. Ben oui, à Montréal, c'est très, très, très important. But at the end of the day, moi, c'est ça que j'ai compris. Je me suis dit, s'ils sont capables de faire gagner Curry Shapley's aux States au lieu de faire gagner le Joe Budden podcast pour Best Podcast, une affaire qu'ils ont sorti c'était quatre épisodes qu'ils ont sorti durant l'année, quatre entrevues qu'ils ont sorti, puis la fille elle gagne Best Podcast of the Years over Nori, over Joe Budden, over whatever et tout, ça fait aucun sens. Mais des fois dans cette industrie là dans média, whatever you want to call it, whatever, people get it wrong. Pour revenir à Anne Lovely, moi personnellement, moi c'est ça que j'ai accepté, c'est tu pourras jamais dire, ah oh oui, they need to be like me. She needs to dress that way. She needs to talk that way. She needs to, whatever. Pour moi, Candace Owen, she's as black as I am. Elle est simplement, she has a different view of life. That's it. Attends. Moi, je vais te répondre, OK? Vas-y. You darker than me, right? Yep. Obviously. Cash! Yo, toi, cash! Il m'énerve, OK? Donc, malgré que c'est un mec brébeuf, là. Non, mais c'est ça. Malgré. But this is where I'm going, right? J'ai vraiment pensé que tu viens brébeuf. Non, mais... Mais pas Hollywood spread the word! Hollywood dit quelque chose, ben, oui! Mais tu sais, fait, you went to private school, tu comprends ce que je veux dire? I'm from the hood, OK? Nos façons sont différentes, right? But at the end of the day, tu n'es pas plus haut que moi parce que je m'exprime d'une certaine manière, tu comprends? Ouais. Moi, je suis pas mieux que quelqu'un d'autre parce que, tu comprends, for whatever reason. Puis moi, je trouve la problématique, là, c'est pas une question de color. Because yeah, Candace Owens is black. On va pas le nier. However, d'où est-ce qu'elle se bat vraiment pour la cause des Noirs? Nope. Oh, attends. Mm-hmm. Exactement. Non, but attends. De tous les Noirs. Donc, also ghetto ass motherfuckers like me. Tu comprends? Qui vont pas nécessairement parler roule, sans pas appliquer ton background, ton vécu. Justement. À toi, and have, and attends. Are we gonna see her at the cookout? No, we not. Why? Because it's too much nigga shit going on. Mm-hmm. And that's too low vibrational for her. But at the end of the day, if you gonna fight for the black cause, you gonna need to fight for all black people. And sadly, c'est pas tout le monde qui a les mêmes chances que elle a eu. Because I know where I'm from. I know where my father's from. We ain't had no chance. Mais, vas-y. Il n'y a plus que, pour revenir à ce que je dis, je compare Candace à Varda et Anne Lovely. Yeah. Tu sais, Anne Lovely, elle fait beaucoup de choses pour la communauté. 100%. C'est une des femmes qui a fait, je pense c'est quoi, sur Facebook, où elle a mis toutes les black-owned business. Ouais. Like then, votre fille, Non, c'était le 24 heures. Elle a fait dans 24 heures. Elle a fait la mise. Ouais. Tu dis pas qu'elle a fait. Non, but you said that it's basically... Tu dis basically that we don't see these people at the cookout. Fait que c'est bon qu'ils font what they're doing for the black community here. So Gala Dynasty aussi. But you're not gonna see people like me au Gala Dynasty. Ouais, mais Oprah non plus, elle va pas au cookout. Attends, mais ça c'est maintenant, Attends, c'est ça. Justement, parce que tu sais quoi, quand ils venaient de commencer, c'est des gens comme moi qui arrêtent pas de mettre mes deux pieds dans leur cul parce qu'on les lâche pas à cause de ça. À cause que, pourquoi est-ce qu'on voit pas les chemises? Là, on voit les chemises maintenant parce qu'on a checké. Mais before then, pourquoi on voit pas les chemises? Pourquoi on voit pas les tiseaux, les ticazos, les losses? Non! On voit les rappeurs. Là, je te parle de rap because I'm in the music industry. Yeah. I used to be. Mais c'est problématique. Yeah. Pourquoi est-ce qu'on voit que des imposts à la télévision, que des imposts au Salut Bonjour, but we don't see nobody else? That's a fucking problem. Oui, puis ça va changer avec le temps. On est en retard. On est en retard. Leur média est en retard. We can't make excuses for it, though. Non, mais non. Moi, c'est comme j'ai dit. C'est comme j'ai dit à Kevin. J'ai parlé avec Kevin Calix. Kevin Calix m'expliquait son beef avec Frédéric Pierre, tu sais, par rapport à la Kainou, puis tout ça, puis whatever. J'ai dit, tu peux pas être fâché après le gars simplement parce qu'il a été prendre le support d'une équipe de production plus expérimentée. Non, c'est son choix. Qui était des blancs. OK, je comprends. Le gars, il a fait du blackface, toutes ces affaires-là, whatever, et tout. That's different. Il parle de Morissette. Non, Louis Morissette. Ouais, il parle de boss. Parle de c'est ça. Parce que dans le fond, la compagnie de production de Frédéric Pierre s'est alignée avec la compagnie de production de Louis Morissette pour faire la Kainou. Puis essentiellement,
Kevin lui a du beef avec ça parce qu'il dit l'argent là, elle s'en va à qui vraiment? Mais attends, comprends? Le gars de Louis Morissette did blackface? Yes. Yeah. Oh, you see, now that, that's different. Now that I want to know that. I wish I would have known that. Puis il a fait le blackface. Back in the day. Back in the day. Back in the day, c'est pas 50 ans. Non, non, mais mon point, c'est pas ça. Mon point, guys, c'est pas ça. OK? Mon point, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, quand tu travailles dans une industrie, des fois, tu as des choix à faire. Puis dans tes choix, toi, tu dois être intègre, puis tu dois comprendre dans quelle société que tu vis. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai un distributeur à Atlanta. OK? Le boss de cette compagnie de distribution-là, là, il est peut-être un fucking Ku Klux Klan là. Tu comprends? Mais légalement, j'ai besoin de passer à travers lui pour vendre attends, mon produit. Si tu savais que c'était un ex-Ku Klux Klan, tu serais là. Thank you, I was about to ask that. That's another story. No, okay, non, attends. Là, on parle d'intégrité. Juste réponds. Ça, c'est une autre histoire, là. Là, là, et puis c'est sûr, il savait le bail. C'est ton choix. C'est cash, il savait le bail. C'est ta décision. Merci. J'attendais que tu finis pour te dire ça. Ouais. Parle d'intégrité. Fait que si tu savais que le partner, c'était un mec KKK, tu serais quand même allé faire ton bail? Non. Ben yo, tu peux pas yo, je sais même pas quoi tu réfléchis. Non, 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 non. T'es suspect là. C'est suspect, oui. Parce que t'es suspect là. Non, ouais, c'est ouais, ouais. On va se laisser. On va se laisser. C'est pas l'intégrité là. Mais c'est suspect. Mais le reste de Brébeuf, shit. Non. On réfléchit à la très Brébeuf. Est-ce que je peux dire quelque chose? T'es con. T'es très con. Détruit Brébeuf. Yo, Brébeuf, c'est en train de checker. Est-ce que Steven est là? Je peux te dire quelque chose? 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 Je vais répondre à ta question. Je veux juste savoir, est-ce que le numéro 7 s'est excusé pour le blackface qu'il a fait? Non! Il s'est pas excusé? T'es sérieux là? Non, non, je ne me souviens pas. Je sais pas. Oui, mais là, c'est pas ça la question. Il non, t'a posé. Réponds cette question-là. Mais quelqu'un n'a pas parlé de ça. Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose. Dans l'exemple que tu m'as donné, ça aurait été difficile dans l'état de l'industrie où je suis que quelqu'un se serait affiché comme un Ku Klux Klan puis qu'il n'y aurait pas eu un certain. Parce que dans le fond, moi, qu'est-ce que j'essaie d'emmener de l'avant? J'essaie d'emmener de l'avant le fait, c'est comme je disais par rapport à Guillaume le métier vierge, le fait que ton dentiste, il a probablement bien trouvé ça drôle, la joke. Puis tu vas quand même aller dedans, mais tu ne sais pas parce que ton dentiste n'a pas la plateforme de Guillaume le métier vierge. C'est juste pour ça que tu ne sais pas. Oui, tu mais. Tu comprends, OK? Non, mais. Attends une minute. Fait que, où est-ce que moi je voulais emmener la conversation? C'est dans le sens que. All those white people are racist. Ils ont tous fait quelque chose de maladroit à travers leur affaire. À un moment donné, c'est comme know. Si tu t'arrêtes à il faut que je sache exactement non. Le CV de la personne c'est au complet. Le CV, la personne me l'a déjà montré. Il y a une différence quand tu le sais. Sans que moi je demande. Exactement, la raison c'est ça. Il y a une différence quand tu le sais. Mais encore une fois, je peux comprendre par rapport à ce point de vue-là. Moi, j'ai regardé l'émission, la canne, tout ça. Puis moi, je conseille aux gens de support. Fuck Louis Morissette et tout ça, mais tous les gens qui travaillent sur cette émission-là, qui sont blancs. Oui, oui, mais. Okay, mais attends. Moi, j'ai dit la même affaire. À la fin de la journée, la Kainou a donné un paquet de jobs à un paquet de noirs. Exactement. Moi, j'ai regardé c'est pour c'est le vrai. C'est positif. C'est positif. Non, oh, il y a plein d'acteurs. Il y a la part des acteurs. Que ce soit les maquillages, que c'est oui, 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 la production. Oui, alentour, le monde vient de signer aussi. Je parle pas des acteurs. Ok, mais le monde autour. La production. Exactement. Moi, là, ma question, là, ok, c'est que, what is the price of your integrity? Non, c'est, moi, c'est ça que je me dis. Je me dis, je comprends qu'il a donné, comme la Kainou a donné un paquet de jobs, un paquet, tu comprends, de personnes noires. That's great, that's amazing. But at what price do you sell your integrity? Comme Manégué Gardilac dit toujours, ces affaires-là, là, ça va arriver tout le temps. Mais toi, là, c'est comme je dis toujours, nous, les Noirs, on est toujours ceux qui vont toujours dire go for the money, go for the money. Because the Jewish people are not going to do that. On back then, c'est on ça. Donne une chance et on va prendre des actions. On va prendre, c'est ça la problématique. Fait, moi, my only thing, tu sais, disons là, quand que Frédéric Pierre est venu là, ok? Moi, je ne savais pas, disons, l'affaire de Louis, ouais. Whatever, OK? I would have asked him, pour de vrai. Moi, j'aurais été intéressée à savoir, justement, what was the price of your integrity? Puis je ne dis pas, il y a le droit de vendre son intégrité, c'est correct, c'est son choix. But at a certain point, I feel that us, as black people, it's okay to say, you know what? No, je ne vais pas faire ce cob-là. Je vais attendre until the right opportunity ouais. comes where ouais, I don't have to sell my integrity. Not all money is good money. Moi, mais c'est ça, not all money ça. Is good money. Non, mais vas-y. Si t'étais dans la Kainou, est-ce que t'aurais pu un rôle d'acteur créole? Je sais que tu m'as. Am I Haitian? But you're an actress. You're an actress. I'm not Haitian. That's the thing. Yeah, exactly. Si t'aurais donné le. Hey,
comment you weigh, là? I don't even know how to talk like quoi? That. Non, mais tu sais quoi? Moi, c'est ça. Moi, c'est, moi, tu sais quoi? Voici comment je le vois. Puis des fois, je trouve qu'on on est trop... on est trop prêt à sauter à la gorge des personnes et tout. Moi, je pense que... Regarde, moi, c'est la raison pour laquelle que Frédéric Pierre, je l'ai fait venir. Oui, c'est bien que tu l'as fait venir. Parce que je voulais voir d'où ce qui sort. Puis en le parlant, j'ai compris beaucoup de choses. Mais il y a une chose, par contre. Il y a des gens qui n'ont pas fini d'écouter La Caïnou. Ils ont écouté le premier épisode. Ils ont fermé comme whatever. Est-ce que, est-ce que vous avez écouté toute l'affaire au complet? Toute l'affaire au complet. OK. L'épisode du drapeau, ils l'ont dead. Cet épisode-là, ils l'ont dead. Tu sais pourquoi ils l'ont pas dead? Non, ils l'ont dead. Non, ils l'ont pas dead. OK, vas-y, pourquoi? Vas-y. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont fait un petit blanc connaître plus l'histoire d'Haïti. Mais c'est vrai. C'est très possible. Ah, il y a dit, mais tu peux pas gagner. Non. Tu peux pas nous montrer ça. Non, non, non. Non, non, non. Ils ont parlé. Mais pas rapport. Non, non, non. Moi, je suis bien comme ça. Yo, yo, les gars. Yo, 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 les gars. Yo, je suis venu pour les gars. Je suis venu pour les gars. Je peux parler? Je peux parler? Vas-y, parfait. Parce qu'on va faire ça, là. Je vais te dire quelque chose, ok? J'ai enlevé la caméra. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire que je vais parler de mon expérience à moi, ok? Des fois, j'ai l'impression que. Admettons, tu penses. Je vais donner un exemple, ok? Le white privilege, souvent, il va se démontrer de manière unfair, des fois, mettons la richesse, les ressources, les affaires comme ça et tout. Des fois aussi, c'est avec le temps, puis c'est les expériences aussi. Je t'explique. La semaine dernière, on avait Martin qui était là, et t'avais Félix aussi qui était là. Vous connaissez Félix? Oui, ah, okay. C'est le gars qui avait la journaliste. C'est ça. Mais il connaît Félix, combien ton affaire? Félix, c'est un job de connaître les barrages. Félix, journaliste. Félix, journaliste. OK. OK, Félix, journaliste. Et des fois, les gens... Puis... De même, sa curiosité sur le monde, et lui, il y a aussi une connexion très forte avec la communauté haïtienne aussi. De son... Regarde bien comment je le décris, OK? De son white privilege. C'est un white privilege qui est de choix, OK? Ses voyages qu'il fait, ses expériences et tout et tout. Il est capable de prendre le temps de dire, tu sais quoi, moi, je vais dive encore plus deep in Asian history parce que c'est ma profession, c'est mon intérêt. La même façon que quelqu'un aime les choses, lui, il aime ça. OK? Attends une minute. I'm next. Attends. Yeah. Je reviens à moi. Casser la bouteille à l'est, oui? Avant que tu dis quelque chose, je veux dire... Attends, je suis bien mon point. Finis mon point. Vas-y. I lived through my Asian culture à travers mon oncle, ma tante, ma mère, ma grand-mère, ma famille éloignée, proche, whatever. J'ai vu le... On a tous grandi avec le tableau de notre caille, avec la map d'Haïti, un peu jaunie, là, whatever, sur le mur. Comme, we live through that, right? Mais le deep dive que Félix a fait, je pouvais pas faire ce deep dive-là, moi. J'avais une idée de l'histoire. Je dis pas que je connais pas mon histoire, l'histoire d'Haïti. Je veux dire que lui a décidé que c'était sa passion. Fait qu'il va me l'expliquer. C'est pour ça que l'épisode du drapeau, moi, la façon que je le vois, c'est comme si que t'es tombé sur un enfant blanc qui est fasciné avec la culture haïtienne parce qu'il n'est pas haïtien. Non, dans la réalité, il n'y a aucun enfant blanc qui est comme ça, OK? Arrête de me niaiser. Je ne sais pas où que t'es. Je ne sais pas où t'as grandi. Tu ne peux pas dire ça. On va aller avec le général. On va pas aller avec la Tu ne peux pas dire ça. Je ne suis pas né que tout d'un coup... Regarde, Martin est allé en Haïti plus que moi. Martin est allé en Haïti plus que moi. Attends, Gabi veut dire quelque chose. Il y a des exceptions dans tout, mais ce qui vous dérange, vous, c'est que l'image de cette scène-là démontre comme si c'est plus que c'est la norme. Exactement. C'est normal. Comme si c'était normal. Regarde. Je vais dire, toi c'est fucked up parce que on a tous regardé l'épisode, puis j'ai jamais cette perception là. Écoute, la seule perception, c'est pas fautif ce que vous dites là, parce que on peut tous regarder la même affaire, puis on a toute une vision ou une langue différente. Moi, je regardais la affaire, puis j'ai dit, get, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blacks que malheureusement connaissent pas l'histoire des Haïtiens. Mais j'ai même pas occupé le blanc. J'ai même pas considéré le blanc. Comme de fait, c'est la première chose que j'occupe. Est-ce qu'il y a des gens qui vont regarder ça, puis vont dire, get, les blacks connaissent même pas, puis check le blanc, Non, mais à la fin de la journée, c'est comme vrai que ça peut envoyer ça comme message. Tami, vas-y. Je suis d'accord. Je vois ça, Tami, moi aussi. OK. Ce que j'ai à dire, Stevens. C'est vrai ce que tu dis. Mm-hmm. Shout out à Félix, OK? Shout out à Félix because on a besoin, we need allies, yeah. Right? C'est important, OK?
Mais avec cela dit, de un, ce n'est pas la norme. Et de deux, pourquoi est-ce que, as a black show in a white culture, that is what tu veux mettre de l'avant? C'est carrément l'équivalent de... C'est comme si on leur donne une raison pour dire they don't even know their own shit. Oui, mais c'est, exactement. Mais c'est carrément exactement. L'équivalent. OK, le concept est pareil, mais le contexte est différent que si on fait un show de noirs et puis all the blacks are criminals. They don't even care. All the blacks are criminals. C'est le concept est pareil, le contexte est différent, mais le concept c'est ça justement, puis c'est ça way, c'est ça la problème. Il y a beaucoup de slick dans, way, dans c'est bas, ça. Et puis way, c'est bro. Ça, mais attends, c'est pas pour dire que the show is no good. C'est pas pour dire que l'effort n'est pas bon, c'est pas pour dire qu'il y a pas eu d'avancement, oui, mais on ne peut pas, we can't put our head in the sand and act like we don't see what's going on. Arrête là. And like as if the world is not burning, because not only is it still gonna burn down, but your ass is gonna burn down with it. Il faut, we gotta, non. Je vais faire un sondage dans la rue avec tout le monde random live. Yeah. Allez demander, est-ce qu'il y a un Bobby Jones dans votre vie qui connaît plus les règles que vous là? Non. C'est pas la mort. C'est ça, mais c'est ça. Non, mais attends. Ça m'avait dérangé aussi par rapport aux enfants. Personnellement, je dis pas que les enfants sont comme nous. C'est une question de génération aussi, les temps ont changé. Mais je trouvais que ces enfants-là étaient trop disrespectful pour des enfants ici. Personnellement. OK, oui, mais attends, mais ça, c'est la nouvelle génération. Mais mon point... Prachez-moi. Not my house neither. Quelle nouvelle génération? Hey, mon fils. Mon fils est disrespectful as fuck. Je le régulate, mais il vit dans un monde. Il y avait zéro regulation qui se faisait dans le monde. Ok, regarde. Like the parents were pussy. Yo, le lac à nous t'a montré, c'est le 84 qui est un dabou aujourd'hui. Ok, c'est attends. C'est le 84 okay, okay. C'est pas mon père que. Guys, mon père qui est en Haïti qui connaît rien du Québec là. Moi, comme je dis, moi, tu sais, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu quelque chose qui était beaucoup plus proche de la réalité dans le, par rapport au le blanc, ok? C'est une caricature. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. La même façon que le prêtre était une caricature aussi. Je t'explique. Qu'est-ce qu'il voulait faire? C'était simplement montrer que quand il y a certaines personnes qui veulent s'adopter notre culture, dans le sens que comme ils trouvent ça tellement dope, they go over the top. Parce que lui, est-ce qu'il était plus haïtien que québécois dans la façon qu'ils l'ont illustré le personnage? Ça, c'est correct. Il aurait pu le mettre à part et il reste comme ça. Ça aurait été correct. Mais là, t'es là en train de célébrer le drapeau d'Haïti, bro! C'est le sous-entendu. Non, parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'en connais pas quelqu'un qui parle. Ça, je suis d'accord avec lui. Parent, et tu vas accepter l'homosexualité plus que nous, là. C'est pas vrai, ça. Ben, attends. C'est pas vrai! Non, attends. Yo! Mais c'est pas. C'est attends. Ça! C'est ça! C'est ça. Il y a des choses qui auraient dû. Pour de vrai, certainement aurait dû, peut-être. Yo, même la réaction! Ça, je l'ai dit! Ça, je l'ai dit! Ça, je l'ai dit! Ça, je l'ai dit! Ben oui! Ben ouais! Ça fait rien! Puis là, le Bobby Jones est là, et puis yo, comme s'il chante de barail, comme. Yo, arrête là! Mais mon point. Non, moi, encore une fois, comme j'ai dit, c'est guys. Il faut le voir dans d'autres yeux, OK? Tu as plusieurs générations, OK? Notre génération, nous, là, ici, OK? Moi, je suis beaucoup plus proche de ma culture haïtienne que quelqu'un qui est plus jeune que moi. Je te donne un exemple. Jude, c'est mon cousin. Je donne toujours Jude comme exemple, OK? Demande à Jude s'il sent le besoin d'aller en Haïti. Demande-lui. Mais il y a plein d'Haïtiens qui ne veulent pas d'ailleurs en Haïti. Non. Je te parle de génération. Je ne te parle pas de numbers. Je te parle de génération. Mon autre cousin qui vient d'Ottawa, demande-lui s'il a besoin d'aller en Haïti. Il a le même âge, il a la même génération que Jude. He doesn't care. Il s'en fout de l'histoire d'Haïti, il s'en fout de whatever. C'est pas ça que t'en de vivre. Lui, il est un citoyen canadien qui paye des taxes, qui travaille, que ça finit là. Tout ça, c'est correct. Non, attends. Tout ça, c'est correct. Mon point, c'est que. Mon point, c'est que. Ça change pas le bail. Ça change pas leur point à eux. Qu'est-ce que t'as à dire? OK? Comment? Mais ça dérange pas! Non, mais deux choses. Il y en a, mais c'est pas. Deux choses vraies, vrai, mais. Ce que lui t'en dit, c'est pas vrai que t'as un random blog qui va venir, puis qui va te sortir toutes les soirs d'un coup. Mais c'est pas commun. On est à Montréal, toutes les slings, il y a du créole, toutes les slings, il y a du arabe dedans. C'est correct, le plan parle toutes les slings. Mais c'est pas vrai que le jour de mon drapeau, il y a un blanc qui va venir me dire, yo, arrête là! Puis mon grand-père est en train de parler, puis sur un blog, il va dire, oh yeah, c'est bye! Non, mais il faut que tu vois la nuance aussi, là, montrer que. Oh, justement, il y a les autres cultures take over. Qu'est-ce que. Ou qui montrent plus d'intérêt que nous. Exactement. Et puis, yo, nous. Ah!
ah, nous, pas même. Mm. So, moi, j'ai aimé cette nuance-là. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Parce que moi, je ne l'avais pas pris. Je l'avais pas pris dans ce sens-là. Je ne l'avais pas pris nécessairement que le blanc connaît Haïti, pas c'est nous. Ouais. C'est plus que, malheureusement, nous, on démontre l'intérêt de moins en moins. C'est comme je dis, puis je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Puis je vais dire quelque chose. C'est quoi? Ouais, parce qu'on a, on a un gars qu'on a grandi avec, qui est un blanc, qui est québécois à 100%. Il danse, ouais, exactement. Il danse plus compact que tout le monde ici. Il parle normal. Mais à la fin de la journée, c'est une minorité, là. Non, mais c'est une minorité. Mais bro, là, tu vas commencer. Regarde, ils ont pris une caricature. C'est ça que je veux dire. Regarde, encore une fois, je m'excuse de t'utiliser comme Martin comme exemple. Yo, Martin est à fucking 20 quelques mille followers. Et puis, il est en train de chanter dans sa musique en créole. Puis, il y a plein de monde à travers le monde qui sont en train de lui donner des commentaires parce que, tu sais, Martin connaît plus sa musique compacte que moi. Ça veut pas dire qu'il est plus haïtien que moi? Non. Cache! Mais, mon point, c'est que, à the end of the day, si tu demandes, ici maintenant, là, tu dis, yo, Stevens, nomme-moi 10 groupes compas, whatever, qui sont sortis dans les 10 dernières années. Je peux pas te nommer là. Mais ça veut pas dire que. Ça veut dire que je suis moi ici que quelqu'un d'autre là. Non, mais c'est sûr, même pas la même chose. C'est pas la même. C'est pas le même exemple. Depuis là, je me retiens. Ma belle. Oh, j'ai fait ça tantôt. Donc, malheur. Ouais. Bon. Il fait moi, je l'ai vu comme tu dis. C'est quoi qu'elle dit? Je comprends ton point de vue. Extrêmement fou. Parce que ton point de vue à toi, c'est vraiment par rapport au drapeau, c'était trop un symbole monumental. Oui, mais c'est le sous-entendu de la chose. C'est le sous-entendu. C'est le message que ça passe. C'est montrer que, oh ouais, nous, on prend pas notre culture au sérieux comme ça. So why should this? Non, mais if I may. C'est ça. Puis ça, c'est, ça rentre dans la tête des gens. Puis pourquoi? Parce que c'est trop facile de donner tes caricatures comme ça. Toi. Voilà. C'est justement, c'est trop facile. Parce que, attends, c'est trop facile aussi de dire, ben, all the drug dealers in the show are black. Mais c'est juste des caricatures. Non, c'est pas des caricatures. D'accord, je suis pas d'accord. C'est le même concept, Steven. Le contexte est différent. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je suis pas d'accord par rapport. C'est le même concept. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je suis pas d'accord par rapport à la Kainou. Par rapport à la Kainou, il y a plein de choses que j'ai call out. J'ai call out pendant l'épisode quand Frédéric était là. Yo, c'est le plus gros call out que t'aurais dû faire. C'est ce bail-là. Non, mais non, parce que pour moi. C'est ce bail-là. Hollywood, je te jure. Je te jure. Déjà que tous les négros parlent comme des Bobby Jones. Hollywood. Hollywood. Ça aussi, j'ai pas compris. Tu sais pourquoi je l'ai pas vu comme ça? Parce que j'ai tellement pas focus sur le blanc du tout. Puis j'ai pas focus sur le blanc parce que I see a ton of young black kids de cette génération-là et plus jeunes qui sont exactement comme ça. Puis c'est ça que moi j'avais vu. Qui sont comme le blanc? L'appropriation du slang, c'est correct mais c'est correct. Écoute, quand tu passes du drapeau, tu rentres dans ton autre bagage. Je suis d'accord. Mais I guess pour moi, j'ai pas mis autant d'importance pour les imbéciles qui vont voir ce blanc-là dans l'émission et qui vont penser que c'est une réalité versus moi qui pense à ma communauté. Non, ça, moi j'ai vu. Il y en a un comme ça, comme le rappeur là qui rentre en Haïti, il fait ses vidéos. Ah oui, lui c'est un fuckhead. Je vais pas mentir parce que pour de vrai, il fait. Okay. Moi, comment je le vois, ce gars-là, puis oui, il est en Haïti et tout, mais il promote the gang shit and everything. Mm-hmm. Yo, si t'es un blanc ou quoi que ce soit qui va en Haïti, promote des choses bien au moins, là. Pas la guerre, les gangs, les armes, tout ça. Les carrières, oui. Ouais, les carrières, oui, les rights, c'est les gens qui ont rien avec lui. Même là, rendu là, je peux même pas parler de ça, parce que les gars, rights, enragés. Ouais, il y en a qui ont rien avec lui. Même moi, ce que je voulais dire par rapport à l'émission, c'est... Regarde, il a barré la porte dehors pour regarder. Moi, je l'avais vu comme un peu comme une caricature, mais je comprends ton point de vue maintenant que tu m'expliques. Non, moi, je vais donner mon point de vue à moi. Moi, personnellement... On est en 2024, là. Non, mais 100%. On n'est pas en 80, on est en 2024 là. Mais moi, mon point de vue à moi c'est là-dessus. C'est moi le pop-dux aujourd'hui. Mais je comprends exactement ton point de vue. La raison spécifique pour laquelle je comprends ton point de vue, bon, tu vois, je mixe, je mixe beaucoup. Écoute, moi, je suis dans la communauté haïtienne, 100% tous mes appels des gigs de DJ. Yo, demande-moi de mixer le 18 mai, there's no fucking way, man. It's not my place. Oh! Merci beaucoup! Mais tu le 1er janvier, j'ai mixé le 1er janvier dans le moment. Merci beaucoup! Mais si tu me parles de quelque chose, 18 mai ou pour l'indépendance d'Haïti, appelle-moi pas pour mixer. Yeah. Je vais être là! Un promoteur qui fait ça, je suis obligé de le calculer! Ben oui, exactement, parce que c'est pas ma place à faire ça. Exactement. Wow. Okay. Mais en tout cas, moi je vais dire, puis regarde, ça va être un bon sujet pour next time, parce que moi, je vais être honnête avec toi. Yo, if I fuck with you, I fuck with you. Ça finit là. Si t'es la meilleure personne pour la job, I'm sorry. It is what it is. C'est comme pour moi, c'est pas. Regarde. Là, c'est même pas une affaire de job, là. T'écris un script, bro.
C'est un script qui est écrit là. Non, non, il y a plein d'acteurs là. Il y a des sous-entendus. Tu es obligé de mettre l'emphase sur ce bail là. Si je fais un événement. Si je fais un événement le 18 mai, ok, si moi je fais un événement le 18 mai, et je considère que Martin c'est le meilleur DJ pour animer ma soirée, pour faire bump ma soirée. Mais tout le monde va savoir que tu es un capeur. Oui, non, mais après, c'est la semaine d'attente. Là, tu parles d'un DJ. C'est ton boy. C'est ton boy. C'est ton boy. Mais si tu aurais pris un random ass Bobby Jones. C'est sûr. Oh non, 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 je te parle de Martin. Mais c'est ça, c'est ça. Martin, c'est sûr. C'est OK. Non, non, non. Parce que Martin a dit, si on l'appelle. OK, là, tu parles de quelqu'un de random. OK. Non, non, non. Quelqu'un de random l'appelle pour mixer. Martin, t'en as dit à la base. Même si c'est quelqu'un que je connais. Si c'est une fête. 18 mai, j'ai mixé le 18 mai. Si tu me dis que c'est une fête pour célébrer le drapeau, that's another story. I'm not there. Je vais être là pour supporter, mais je vais pas les mixer. Parce que c'est pas ma place. Je sais pas. Mais dans ce cas-là, c'est pas l'affaire. C'est pas le rapport. C'est pas le rapport. Ça ferait plus de sens. Non, moi je suis d'accord. Ça a plus de sens que le bail de Lacanou. En tout cas, regarde. There's layers to the shit. Mais tu sais quoi, je vais finir sur ça. Moi je pense que, à the end of the day, encore une fois, Frédéric Pierre, à moins que. C'est un acteur, OK. Mais à moins qu'il y a acte pendant qu'il était là, moi qu'est-ce que j'ai senti? J'ai senti quelqu'un qui n'avait pas de mauvaises intentions. Puis j'ai senti que quand il faisait quelque chose, c'était toujours avec un aspect théâtral. C'est-à-dire que c'est ça que j'ai dit. Des fois, j'écoutais Lacanou, puis j'avais l'impression que c'était une pièce de théâtre. Que ce n'était pas une télésérie comme justement une télésérie américaine. C'était plus comme le côté théâtral du Québec. Tu sais, moi, tu sais, comme je sens là, qu'il y avait ça derrière, que c'est des personnages. Okay, tu comprends? Vas-y. Quand il parlait, est-ce que tu pouvais émuler? Ah, mais par rapport à quoi? Pas à tout, non? Non. Juste la manière qu'il te parlait. En général? Ouais. Ouais. Attends, tu parles de qui? Tu parles de Frédéric Pierre ou tu parles by de... By the way, je vais le dire parce que je sais pas si j'ai déjà dit, j'avais aucune idée qu'il était métisse. Moi non plus. Moi, je pensais qu'il était 100% black. Me too. Moi aussi. Moi, je savais pas qu'il était métisse. Je savais pas. Juste la façon qu'il parle, t'as pas calculé. Non, mais non, je connais des gens qui sont 100% black qui parlent comme ça. Je connais des gens qui sont 100% black qui parlent comme ça. Mais attends. Les Noirs à Québec, les Noirs qui sont comme ça, là, qui parlent comme ça. 100% black qui parlent comme ça. Les Noirs à la Rive Sud, il a dit, même les négros qui parlent sont. Je dois calculer si on sera adopté, oui. Mon premier barrage de ma tête, c'est soit t'es non, adopté. Mais, bien, non, puis encore une fois, je suis d'accord avec toi, mais il y a certains. Il y a certaines personnes, tu le vois tout de suite. PY, tu le sens tout de suite quand il est adopté. 100%. Ah ouais. C'est PY. Tu sais pas que son nom c'est PY, mais tu sais c'est lié là. Mais anyways, I digress. Le négro qui... Oui, mais I digress. Avant que tu termines, je veux juste dire quelque chose. Attends, je veux juste dire quelque chose avant qu'il termine, OK? Tu sais, Frédéric Pierre, quand il est venu là, il a été super transparent, for real. He was a really nice dude. En plus, he comes from my area. Il vient, on a été allé. Il habitait, où est-ce que j'allais à l'école? Il vient de Rosemère, right? Ouais, j'étais à l'école. Je suis contente que tu parles. Mais ce que je veux dire, c'est que... Shut up! Arrête! Je suis sérieuse. Ce que je veux dire, c'est que c'est important... Continue, Tammy. Je suis pas capable. Nous, on te supporte. OK, c'est nous ça. Merci. Merci. Ce que je veux dire, c'est que c'est important, OK, d'entendre les opinions, disons, like Hollywood, like Gardie, like myself, qu'on dit que l'affaire du drapeau, ça n'a pas de bon sens. Parce que je pense que c'est à travers... When he's gonna hear these type of comments, il va pouvoir s'asseoir and just go back to the drawing board and be like, okay, how did it make black people feel? Ça comme dévaloriser le drapeau. Non, mais c'est ça, puis c'est important. Moi, j'ai l'impression que ça fait l'inverse. On a tellement de questions, mais tu m'as répondu. Ouais. Amanda, j'ai l'impression, puis on va dire... La prochaine fois que tu lui parles, demande-lui pourquoi il est pas venu aux chroniques des alcooliques. C'est à cause de moi, je pense. Demande-lui. Why? Listen, at the end of the day, and at the end of the day, guys, at the end of the day, il y a des gens qui vont faire ce podcast-là, qui vont pas faire le vote, puis vice versa. Déjà OnlyFans, déjà. Non, non, il y a plus de chances que les qui a OnlyFans qui viennent en Opal. Ils pourraient venir, vous voulez pas les faire venir. Ouais. Ils vont venir, c'est cash. Ouais. C'est que vous voulez garder l'image. Nous, on est pas mal. On prend les mecs pas mal.
Ben, plus ou moins. On a eu la femme, là, la femme OnlyFans, là, whatever. Là. Mais là, c'est quoi son nom, là? On avait une femme. Chloé Fit Gamer. Ah! Mais ah, okay. Elle est pas dans la brume, mais elle a pas ce que son boulot. Ah, mais amène une qui fait caca, tous les gens. Amène celle-là. Je vois celle-là. Yo, vois celle-là. Yo, je... Tu m'as dit la perte. Je t'en prends les paroles. Bye, boy, caca. Caca sur yo. I'm good. I'm good. Tu l'as laissé faire caca sur toi? Oh. Non, mais j'avais vu un affaire. Yo, on devait arrêter l'épisode là. Non, bah, ouais, t'avais mis l'affaire, t'avais mis le temps. Là, c'est vous autres qui faites votre Stevens là. Donnez extend, extend. Non, on est à Hollywood. Time to write. Bon. Est-ce que t'avais mis le temps, oui ou non? Hein? T'avais mis le temps en cuir? Quand la... Oui, elle a fait, mais elle a pas fait caca sur lui. Ah, oh, ok, je pensais que c'est ça qu'il disait. C'est comme ça que ça va finir. Oh. On a Did you lie? Yeah. No, it's true. He did. Oh! All right. On that note, And we out! Guys, pour de vrai, je m'attendais pas à celle-là, but it is what it is. Il faut qu'on finisse. Mais pour de vrai, il faut qu'on finisse. Cookie mais boy. Guys, allez subscribe. On va sortir le Patreon bientôt. Allez subscribe au Patreon. Allez subscribe. On commence à sortir les affaires. It is what it is. Mais guys, encore une fois, merci de continuer à nous écouter. Continuez à like, comment. Merci. À Hollywood, Gardi, toute l'équipe LCDA de supporter le mouvement. Donc, je suis Steven Charles. Game Michel. Martin Monti. Yeah. On a pipi sous moi, Tami. Non, c'est Amanda. C'est pas Tami. Allez, subscribe. Ça, c'est la famille. Subscribe. Ça, c'est la famille. Malgré que Steven soit un mec brébeuf, on est down avec lui. Je suis pas là, brébeuf. Je suis pas là, brébeuf. Yo, that's my guy. Yo, tout le monde ici, je vous adore. Yeah, that's the thanks, bro. Thanks. Okay, guys, le podcast People We Out. Peace. We out, comme ça. On fait d'accord. Ils sont même fuckers. Mais dis, oh, t'as dit des bouteilles sur la main. J'en veux deux. Yo. Non, il fait qu'il y a la gueule. C'est sûr qu'on met Brebeuf comme titre. Ah, yes, ma joie. Ah ouais, le Brebeuf, ouais. C'est sûr. Wow.